Bon, j'essayais de pas parler trop vite pour pas que ça coupe à l'entrée. Peut-être que j'ai parlé trop vite encore une fois. Cheese, évidemment. Fait que, on est de retour avec Jean Poitou. Jean Poitou qui est très important dans notre vie, de tous les jours. Et je vais attendre un petit peu que le people arrive. Aze Ulter, toujours le premier à commenter. Non, je sais pas. Est-ce que t'étais-tu le premier à commenter hier? Peut-être. Hey, Squixie! Ça va bien. En passant, si vous voulez joindre la room, tant qu'à être là, puis à vous attendre, puis à vous parler, je suis pas en train de faire la bonne affaire. Excusez-moi. Hey, tout le monde. Hey, Mishtra. Hey, Gloomy. Hey, Bug2Co. Content de vous revoir aujourd'hui. J'espère que ça va bien. Je me répète-tu? Je pense que je me répète. Donc, voici l'ID de la session, si vous voulez me rejoindre. Je pense que vous avez besoin de ça pour pouvoir rejoindre. Ou pas? C'est privé, fait que j'en ai aucune idée s'il faut absolument que je vous envoie des affaires. Sauf qu'avec le... Je sais que la dernière fois, vous avez réussi à joindre. Fait qu'on va fonctionner comme la dernière fois aussi. Fait que vous avez un ID là. Je sais pas qu'est-ce que ça fait. On verra bien qu'est-ce que ça va faire. Je sais plus ce qu'on était rendu à faire. Ils m'ont dit qu'on était rendu à faire quelque chose. La dernière fois. On était rendu à faire quelque chose, je pense. Oh! Pourquoi il y a un cœur avec sa Great Sword? C'est magnifique! Hein, je reviens pas. Super, il y a d'autres qualités que le 720p60. Yes! Il y a d'autres qualités que ça! Pourtant, la PS4 veut pas qu'on fasse plus que ça. Quand on fait un live dessus. Strange. Ah, ok, tu veux le mettre plus bas, je pense comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Attends une minute, j'ai reçu un texte. Et je réponds au texte pendant que vous êtes là, ok? Je suis très méchant comme ça. Je suis méchant avec vous autres. Ah, en plus, j'ai enlevé le chat, fait que je vois même plus. Sad story. Cet accent, je m'en remets pas. Tant mieux que t'aimes ça pour l'accent. Donc bref, on va aller continuer l'histoire tout de suite. Je sais que à la place de niaiser, nouvelle quête. En fait, le on-air est en train de tout me fucker. Ok, faut faire la sous-bonne escorte. C'est ça qu'on est rendu. Fait qu'on va mettre un mot de passe. Le mot de passe est 6255, comme d'habitude. Fait que si vous voulez joindre quand que je vais envoyer ma flare, quand je vais vous montrer mes affaires, c'est 6255. Fait que, let's go! Je vais leur dire de toute façon le mot de passe quand que je vais envoyer ma flare. Hey, Screw Swain! Le mot de passe habituel. Ça m'étonne que j'avais pas choisi 6969 comme mot de passe, honnêtement. Ça aurait été un mot de passe idéal. Fait que là, il nous reste... En fait, j'ai même pas regardé qu'est-ce... Non! Je veux regarder... On va regarder dans notre coffre qu'est-ce qu'on a. On a nos munitions qu'il nous faut. Good. Salaud a toujours pas son armure. Good. C'est maintenant le temps de partir. À rien foutre en quête. Let's go. Pile à l'heure. Oui, hey. Pour moi, aujourd'hui, j'avais le temps. Hier. Avant hier, en fait. Pas tant. En fait, tu vas t'en charger, Quixie, parce que t'es trop gentil de même. Super mot de passe. Ouais, je sais que ça serait le meilleur mot de passe au monde. Puis, je sais pas qu'est-ce qui nous étonne tous. Il y a très d'affaires qui peuvent vous étonner. Comme cette scène. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Désert des termites, encore une fois, avec la traduction que je pense pas que c'est la même chose en anglais. Voyons. Wild Spire Waste. Désert des termites. Bref, on va croiser des termites, j'espère. J'espère qu'on va pouvoir les capturer puis les mettre dans notre chambre puis qu'ils mangent tout le bois puis après ça, on n'a plus de chambre. Ça, ce serait l'idéal. Ah ouais, pousse, bitch. T'as mangé des crêpes. Ah, de pas avoir pris 69 fois 69. À un moment donné, on va le faire. Ah, j'imagine qu'on va pouvoir envoyer la flare quand il va avoir quelque chose qui va se passer d'intéressant. Ah! C'est vrai, faut toujours remettre notre filet de capture. Un éco-fact, blablabla, excuse-moi, j'ai pas lu pantoute qu'est-ce que t'as dit. Je m'en fous parce qu'il y avait lui à capturer. Pour la... Oh, je l'avais jamais fait. Lièvre des steppes, un animal rare qui aime le soleil. Il paraît qu'il aille les voyageurs perdus à retrouver leur chemin. Ben, il va retrouver les voyageurs à retrouver ma chambre.
Je ne faisais jamais ça, Cruz. Jamais. Même si ça a été mon intention une fois au chalet. Oh, on va prendre des pierres. Ah non, ça va enlever mon filet. Là, on est correct. Si je l'enlève, est-ce que j'ai mes pierres? Non. Fait que fuck les pierres. Si vous vous appelez Pierre, ne prenez ça pas personnel. Heureusement que t'es là pour stream ce jeu. J'ai essayé d'autres streams, mais c'est souvent soit des noobs qui nous cassent. Tryhard qui nous a pris. Ah, c'est bon, on va jouer aussi. Toi, c'est différent et c'est mieux. Ah ben, tant mieux que tu trouves ça, honnêtement. Honnêtement, j'ai eu des moments cringe moi-même, fait que... Remember John. Remember John, en effet. John est mon meilleur ami, voyons. On faisait rien ensemble, c'est... On pouvait pas rien demander. Hey, je suis pas en train de porter attention comme que... Il faut... C'est ton papa, Pierre. Ah, ben, j'ai rien contre lui, même si je viens de m'en débarrasser, si on veut. On va capturer une araignée, encore une fois. C'est-tu la même? C'est la même. Sad. Pendant qu'ils poussent, eux autres, moi, je suis en train de capturer des insectes. Parce que j'étais un petit peu... nerd de même, geek. On peut dire ça? Est-ce que capturer des insectes est considéré être geek de nos jours? Parce que il me semble qu'avant, ça l'était. Maintenant, je sais plus. Est-ce qu'il y a du monde qui sort encore capturer des insectes? Des lézards! Moi, je capture des lézards aussi. Collecte de fruits. Oh! Peut-être qu'on va pouvoir débloquer des ingrédients si on collectionne ces fruits-là. Je sais pas si on... Oh! Je regarde pas ma map parce que je suis stupide. Oh! Mais il y a un shiny là-bas. C'est parfait. Il joue un artilleur. On n'en voit pas beaucoup sur le Twitch game. Ben, c'est surtout pour ça que... Ben, c'est surtout pour ça. En ce moment, je joue artilleur parce que je joue pas assez. Même si dans Generation, j'avais pas mal joué Light Bowgun. Mais là, c'est Heavy Bowgun. Fait que c'est pas... Oh! Il y a là le collecte de fruits. God damn it. Je le voulais. Hey, on a eu les Earth Crystals! J'en parlais la dernière fois. Je sais même pas pourquoi on en voulait. Ils spamment tous la Switch Axe ou la Charge Blade. Ça se peut très bien. C'est comme... Pourquoi la Switch Axe puis la Charge Blade? Je trouve que c'est les moins qui... Ils ont de l'air peut-être intéressantes au regard, mais à contrôler, faut que tu saches qu'est-ce que tu fais un petit peu plus que d'autres armes. Genre la... Les Dual Sword, t'as juste à spammer puis ça fait quelque chose. J'imagine que ça a plus d'impact quand tu l'utilises. Je sais pas. Enfin, bref. De toute façon, j'ai l'intention de changer d'arme souvent. Quand je vais m'améliorer avec une arme, on va switcher. Mais je me considérais noob quand même. C'est sûr que j'ai de l'expérience avec Monster Hunter, mais dans World, j'ai pas tant d'expérience que ça, je devrais dire. Et je l'ai spoté de loin, cet insecte-là. Hey, par contre, je spot les insectes. On peut me donner ça. Puis là, on est comment... Hey, attendez une seconde. Je sais pas qu'est-ce qui vient de se passer dans ma tête, là. Mais j'ai eu un flashback de grimper là, parce que je sais que j'ai déjà grimpé ici. Je sais pas pourquoi. Je me suis mis au feux arbre seulement sur moi et je pensais que j'accrocherais autant au gameplay. Je pensais pas... Ah, je pensais jamais, ok, c'est ça que j'ai manqué dans ton mot. Excusez-moi, je lis pas au complet tout ce que vous marquez. Oh, des cactus! Ça pique, le monde aime ça, quand ça pique et ça chauffe. Mais c'est juste une question de s'habituer aux armes, généralement. Parce que généralement, au début, quand t'as de la misère, faut que tu utilises beaucoup ta tête, on dirait. Puis quand faut que tu utilises beaucoup ta tête, ben, c'est moins le fun. C'est comme la flûte de la corne de chasse, en fait, je pense qu'elle s'appelle maintenant, en français. Hunting horn, en anglais. Mais faut que tu penses à tes notes, toute la quête avant. Je sais pas, dans World, honnêtement, je l'ai jamais utilisé. Mais un jour, on va l'utiliser. Mais il y avait rien d'intéressant dans le fond ici. Je sais pas pourquoi j'ai eu un flashback. Fallait que je monte en haut. On n'a pas regardé la vue. C'était pour ça qu'il fallait monter en haut, regarder la vue. Hey, Svermillion! Bienvenue! Bienvenue d'eau. Tiens, j'ai repris Pierre parce qu'on avait des capsules de feu. Bon, elle m'appelle. Elle est comme, arrête de niaiser, là. On pousse, nous autres. Ben, poussez, gang de vous autres. Moi, pendant ce temps-là, je prends du miel. Puis je parle avec vous autres. Hey, Checo! Bienvenue au live, bienvenue dos, au live de dos. Je sais plus qu'est-ce qu'on parlait. Tu joues Ace Medroxia. Hey, mais honnêtement, j'ai resté longtemps avec la... Ah, bonjour Ratian. Avec la lance, en fait, dans les Freedom Unite. J'avais joué Hunting Horn dans Freedom Unite, c'était pas la meilleure chose que j'ai faite. Haze Dogger Ving! Haze Wolfie! Repose-toi, Wolfie! Repose-toi. En passage très subtil en ce moment. On est supposé la distraire, je pense. D'après qu'est-ce qu'il j'ai cru lire. Chut, je suis pas là. Nanana. Tu m'as pas vu.
Ah, elle m'a pas vu pour vrai. Maintenant, fuyez, j'ai genre rien fait. Vous êtes pas très subtil, je dirais, mais ça va faire la job. Je suis même pas accroupi dans le buisson, mon stupide. Il retourne au lui. Des armes pas jouées comme le corps de chasse. Ouais, c'est sûr que c'est pas assez joué. C'est trop des armes considérées comme support. Sauf qu'on a quelqu'un dans la room qui joue des hunting horns, supposément. Des libellules. Fuck, j'ai pas équipé mon filet de capture. Maintenant, je l'ai équipé, mais honnêtement, on avait déjà les libellules. On n'a pas besoin de plus de libellules. Oh, le beau ciel. Je suis en train d'apprécier le décor. Oh, il y a des plantes, là. Ouf, c'est vraiment pas passé loin. Ben, honnêtement, je pense qu'il était script voir, parce qu'on était dans sa face un petit peu, par le rien foutu. Fait que, hey! Tant mieux, il faut qu'il n'aille qu'il l'aime. Je l'aimais dans Pithard, dans Portable Third, en fait, la corne de chasse. Je l'ai beaucoup utilisé dans celui-là. Ça fait longtemps qu'on l'a pas utilisé. Où c'est que Salaud était? Portable Third, Salaud, tu t'en rappelles? Tu te rappelles comment je t'ai martyrisé? Puis comment tu m'as martyrisé? Le piche. On dirait qu'il y a quelque chose. Vous ne pensez que pas que le Zora Magdora c'est encore plus énorme que ce que blablabla. Bla bla bla. Oui, ça doit être passé énorme. Toutes les données qu'on a... Hey, je suis pas capable de lire à soir. Oh! Quand même une grosse dure journée de travail, voyons. Ok, pas si pire que ça, là. C'est pas grave. Hey! Il y a du monde qui a rejoint la session. Nice! Hellos! Hey, Ellie était là la dernière fois. Je me rappelle de toi, Ellie. Great sword. La majorité des armes sont le fun à utiliser une fois que tu les apprends. C'est ça qui est le fun de Monster Hunter aussi. Ça, je disais tantôt, au départ, que quand tu les connais pas, c'est plus plate, on dirait, parce que tu es poche avec. Fait qu'il faut tout le temps que tu t'adaptes, au départ, à la période poche. C'est comme la Sword and Shield. Je l'ai genre essayé, et il y avait un move que je connaissais pas dans Monster Hunter World, puis là, j'étais comme, il me semble qu'il manque quelque chose. Puis quand j'ai découvert ce move-là, ça a tellement tout changé. J'étais comme, oh, c'est pour ça qu'est nice la Sword and Shield en World. Fait que, y a ça. J'imagine que quand on va avoir fini des suivre, pousser ça, on va pouvoir commencer la quête pour de vrai. Et ça nous permet de jaser, de parler en même temps. Fait que, good. Vieille empreinte. Empreinte avec toujours plus d'herbe après lire. Je pense que je vais continuer de chercher pour des insectes. Oh, c'est là qu'il y a les scarabouses qui nous parlaient. Je pense. Est-ce qu'il y a des scarabouses dans ce coin? Non, des costodons là-bas. N'a pas besoin. Hey, je suis en train d'apprendre leur nom quand même. Je suis fier de moi. Voyons un peu quel genre de cadeau le Zorg de Pakota Kotokapa. Non, ok. Je disais que j'avais appris les noms, mais Zora Magdara, je l'ai pas appris. Oh shit, je pense que je l'ai eu. Je pense que j'ai dit son vrai nom. Yes! Je suis fort. Quand même. Faut bien que je me félicite une fois de temps en temps. Ça, je pense encore que c'est de la marde de Zora Magdaros. Oh! Yay, une scène, enfin! Enfin, il se passe quelque chose. J'ai gatheré pas mal de choses. Hey, aujourd'hui, je suis retourné justement me chercher mon breuvage à la même place que la dernière fois. Et pour ceux qui s'en rappellent, GG, Malk, merci, Quixi. Et j'ai pogné la même personne que j'avais dit merci, bitch. Sauf qu'il s'est rien passé. J'étais juste awkward. J'étais comme, faites qu'il me regarde pas bizarrement. Tu sais, je m'en fais trop avec ça, je pense, là. Mais il avait l'air de s'en sacrer. Fait que, good. Au moins, il y a eu ça. Pas les scarabouses. Oui, les scarabouses. Puis il va. Jean Poitou juge la marde. Ce n'est pas une assez grosse marde à son goût. Jean Poitou juge le baroth. Fait, il aurait pu faire une meilleure introduction que ça. Jean Poitou est là pour ça. Chambellan, il est là pour ça. Il est là pour nettoyer la chambre. Fait qu'on s'en fout. C'est notre esclave personnel. J'allais encore faire mes jokes racistes. Que j'arrête pas de faire depuis ces derniers temps. Je sais pas pourquoi je fais. Fait que je vais juste me calmer là-dessus. Ok, comme si ça allait faire ça pour de vrai. Je crois pas ça. Il embellit la réalité. Ou peut-être que ça l'aurait fait. Quand tu pognes au bon moment un monstre, là, c'est tout le temps satisfaisant. C'est le cas. On peut utiliser la fusée de détresse. On peut aller pêcher puis laisser le monde faire la job. Ok. God damn it. Laisse-moi envoyer un signal. Je sais pas pourquoi je la cherchais autant. Les dernières fois, je la cherchais pas autant. Fait que c'est le temps d'envoyer la fusée de détresse et d'envoyer ma meat à tout le monde. Généralement, quand j'envoie ma meat à tout le monde, ça veut dire que c'est le temps.
on envoie la meat. Vous pouvez joindre, je vous spam de ma meat. Ok, surtout que le serveur m'a dit que j'ai spammé. On arrête. Et on a la fusée arbalète de Jagras, ça a de l'air. Et savez-vous qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de l'utiliser. Ah, l'ID de session! Sorry! Faut que je vous la redonne. Pendant que la dernière fois, j'étais capable d'éviter. No! La dernière fois, j'étais capable d'éviter en courant. Je m'en rappelle plus. Pantouf, par contre, c'est comment? Liste de joueurs. Ah, yeah, voici l'ID, si vous le savez pas. Mot de passe, 6255. Merci, Quixi! Je pourrais jamais faire un live sans toi, ça a de l'air. Est-ce que c'est son point faible? Je suis en train de tester. En fait, ça te ferait pas mal pareil partout, mon cher. À part sur ta tête, évidemment, son point est fort, maudit niaiseux. Il y a quand même un délai quand on fait ça pour dodger après. Je suis pas encore habitué à ce délai-là. Exactement. Est-ce qu'il y a du monde qui ont rejoint? J'ai même pas porté attention. Non, 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 non. Ah, c'est vrai, j'ai un bouclier sur mon beau gun. Faut bien que je l'utilise, maudit cave. Est-ce que tu viens me voir? Non, bon, ok. Quand tu fais pas la bonne affaire. S'il y a personne dans ma quête, va falloir que je dépense mes munitions. Va pas falloir... C'est pas avant, oui, j'imagine que c'est ça y fait mal. Autant, j'imagine que c'est l'eau aussi qui fait la job. Luther a rejoint la quête. Luther. Quelle munition prendre? On va prendre nos pierces habituels. Il y a aussi le fait que c'est en français, les noms de balles, fait que j'étais un petit peu perdu pour ça. Oh shit! On a tellement un gros knockback avec ça. Ah non, je souffre. Bon, ben lui aussi, il souffre. On a détruit sa partie, mais c'est bien. Mais je pense que je vais prendre mes munitions normales level 2. Fuck that. Tiens, mon cher, je t'ai frappé ta face. C'est the real MVP, en effet. J'arrive pas à copier les messages Twitch sur portable. Pourtant, intention y est. Ah, je sais, j'ai ce même problème-là, Ulter. J'étais comme... Pourquoi je suis pas capable de copier? Mais seulement parce que... Comment? Des fois, les apps sur téléphone, là, c'est de la... Sur portable, c'est de la schnapps. You have a new followers. Ah ben, hey, Ludo. Et je suis KO. Hey! Là, je vous blâme. En fait, je vous blâme pas. C'est de ma faute. Je suis facilement distrait par tout le monde. Hey! Luther! Abandonne-moi pas. Attends, faut que je t'envoie ma meat. Je me trompe tout le temps. Meat. Tiens, je t'ai envoyé ma meat. Nice! Deuxième mort. Hey, c'est vraiment juste ma deuxième mort en tout. Ça m'étonne. Tu sais, quand vous disiez que j'étais pas un noob là, tantôt. On va le faire exploser, honnêtement. J'aime ça voir les explosions. Luther, Ellie, je m'excuse d'avance. Je risque de vous fâcher. Hey, je parlais de la Sword and Shield, vous êtes les deux en train de l'utiliser. GG. J'ai manqué le début. Hey, Seb, tchao! Je pense que c'est ça. En passant, je suis passé par ici parce que c'était ça qu'on passait. C'était par ici qu'on passait au départ. J'ai genre pas porté attention aucunement aussi qu'il faudrait que j'aille. Moi qui me fais manipuler. Ah ouais, Naviciole, manipulez-moi. En fait, il est en train de sacrer son camp. Ouh, Rassian. Demande de participation. Snow a rejoint la quête. Bon, ben, hein? Oh, on vient de compléter pas mal la map. Où c'est que je suis là? On peut la rejoindre là. Ouh, let's go, then. Juste mal qu'il s'est fait violer par un baron. C'est pas mal, ça. Puis je pense à ça, on n'a jamais upgradé notre armure, non? Oui, on l'a upgradé la dernière fois. Juste un peu, par contre. Fait qu'il faudrait faire ça aussi pour au moins... Oh! Chut! Je suis pas là! C'est marqué hors de portée, by the way. Je le sais très bien, mais je voulais voir si j'étais capable de me rendre là. Ah! Mon chat est fermé! Mon chat, non! Essaie d'actualiser ta page. Ouh. Ah, j'ai rangé mon beau gun. Ok. Là, je vais... Excusez-moi, je vais vous ignorer pendant un moment. Et j'ai... Aussitôt que je vous ai dit que j'allais vous ignorer, j'ai regardé le chat. GG, moi. À place, je vais juste me concentrer l'autre place. Pour ceux qui sont... Pour ceux qui ont joué beaucoup, par contre, à Monster Hunter World, est-ce que vous pouvez me dire si on a moins de défense en tant que gunner que en tant que Blade Master? Parce qu'on a les mêmes armures, qu'est-ce que je comprends. Et sauf qu'on dirait que des fois, on se fait plus massacrer que quand on est Blade Master. Sauf que je sais pas vraiment, parce que je suis pas habitué à être Blade Master non plus.
Maintenant, gars, je suis bon quand il ne me vise pas. Je viens d'utiliser... Oh! Luther! Please! Please! Ah, j'ai manqué Luther. Je l'ai pas utilisé vraiment les fragmentations. Là. C'est un petit peu bitch, les fragmentations. Fait que... J'avoue que je suis bitch. Au moins, frapper ses petites papates pour frapper de 14. My God, qu'on a pas de munitions. Jeez. Je suis pas sûr que le Great Jagra, c'est une bonne et beau gun, finalement. On mange plus de dégâts physiques en gunner. Ah, thanks! Je vais juste bloquer ça, parce que je le peux. Et je vais viser son cul. J'aime ça percer des trous à des places qui a déjà des trous. Bref. Sur ce... Faudrait vraiment que je sois plus proche pour frapper plus que de 1, je pense. Parce que même quand c'est en orange, ça frappe de 1. Ok, fait qu'on a plus de défense élémentale. Nice! Fait qu'une boule de feu dans la face, c'est pas si pire que ça. J'apprécie les boules de feu dans la face. Et savez-vous qu'est-ce que j'ai oublié de prendre? Des rations. Parce que j'ai pas vraiment de stamina en ce moment. Puis considérant qu'ils nous ont fait niaiser pendant le début de la quête, je pense qu'on va les reprendre. En passant, si on vous demande c'est qui, grâce à qui qu'on a complété la quête, vous direz que c'est moi, ok? C'est totalement pas eux autres. T'sais, please, là, faut que je paraisse bien, voyons. Même si je parais très bien en ce moment, rien. Oh, you bitch! Je voulais le bloquer, sauf que j'ai descendu de la roche. Ça a été un moment professionnel. Et non, mon cher Barof, tu me fonceras pas dedans. J'étais déjà en train de dépenser tout... Oh! Regardez-moi le casque de... Don't mind me, je le veux. Oh, un crustacé qui vient... Oh, je ne peux plus bouger. Oh! C'est le moment idéal. Malgré qu'il met sa tête devant ses papates, c'est pas bien. C'est Snow qui l'a activé. Ah, c'est Snow qui l'a activé puis qui s'est paralysé en même temps. Good job, Snow, je suis fier de toi. Tu as le même nom que Snow dans Final Fantasy XIII. Est-ce que c'est voulu? I don't know. Mais disons que c'est le... C'est pas une affaire très rare. That yellow boy, en effet, Quixie, je sais à quoi tu fais référence. That vidéo... Encore, Ellie! J'aime ça quand tu montes les monstres de même. Je devrais t'envoyer ta meat, en fait, quand tu fais ça. J'ai tellement l'impression de pas être efficace en ce moment, mais je suis trop cheap pour utiliser mes autres munitions. À coup de 14, il me semble qu'avec le Sword Angel, on frappait de 8, 8, 8, 8. J'avoue que 16, c'est 2 fois 8. Tu sais? Malgré qu'on fasse de 14 et non de 16. Aïe! Arrête de rester dans le roche et arrête de cacher tes petites pattes. Je veux viser tes pattes et là je suis en train de viser tout le temps, nulle part. Si vous savez comment qu'à l'intérieur de moi depuis tantôt, il y a une bataille qui se fait à l'intérieur de ma tête qui me dit utilise les clusts, qui est les fragments, je pense, les bolettes fragments. J'ai tellement le goût de les utiliser puis de faire chier tout le monde. Je suis tellement un bitch. Je me bats. Je suis monté, il est monté. Ah! Bonjour, petit paralycrapaud, je pense. Oh, un crapaud qui relâche un gaz paralysant lorsqu'on l'attaque. Son effet est assez puissant pour paralyser les grands monstres. Nice. Oh, Snow nous envoie sa mie, tout le monde. Qu'est-ce qu'on dit à ça? Non. Ellie, c'est moi qui vais te capturer. Personne ne capture Jean Poitou. C'est Jean Poitou qui vous capture. Fait que ça a l'air qu'on chasse un barotte. J'ai comme... Je viens juste de réaliser. Dans ma tête, c'était normal. Ce qui arrive. Et le coup de queue. Ouh, regardez-moi ça. Vous avez-vous vu son déhanchement en donnant ses coups de queue-là? Excusez-moi, ça m'a tellement déconcentré, par contre. J'admirais l'animation. C'est une bonne raison pour être déconcentré. Oh, c'est moi qui l'ai tué. Personne peut dire le contraire. C'est moi qui l'ai tué. C'est moi qui a tout fait la job. Merci. C'est vrai. Excusez-moi, je vous envoie pas ma meat. Il faut que je vous envoie ma meat. Je vais vous envoyer tous mes favoris. On voit que j'utilise juste ça. Jean Poitou utilise juste sa meat. Et je vais aller dépecer. Jean Poitou capture les autres et les juge une fois dans ses films. En effet, c'est comme ça qu'il juge le monde le plus souvent. T'es capture puis tu fais comme... Nyeh. Tu mériterais plus de cheveux. T'as pas assez de poils. Nyeh. J'ai entendu dire qu'il y avait du monde en ligne qui joignait des quêtes de fusées de détresse justement de même, puis qui empêchait le monde de dépecer.
Fait que je vois qu'il y a déjà du monde qui sont trolls en ligne, ce qui est pas bien. Mais bref, merci pour le... Ah! Jean Poitou n'accepte pas de se faire garrocher. Non, Jean Poitou ne se ferait pas massacrer. Ellie, Jean Poitou t'a capturé et te juge. Snow, je te juge parce que tu es en background en ce moment. Avec ton armure. Que fais-tu, Snow? Ah, et voici une scène. Je m'attendais pas à une scène. Est en train de prendre des morceaux de marde. Jean Poitou te juge parce que tu prends de la marde. Ça change des versions 3DS. C'est sûr que ça change des versions 3DS. Je crois que je vais aller chercher. On se retrouve au camp. Ben, c'est ça. Bye. Jean Poitou te juge en ce moment. Tu t'en vas. J'ai vomi le 3DS. Comment ça t'as vomi le 3DS? Découpage de partie, le bowgun marche bien. Oui, surtout si on utilise des... Avec mon ancien bowgun, j'avais un tir spécial qui était excellent pour briser les parties. Mais là, je l'ai plus. J'aime pas la mitraille, la mitraillette. J'aime plus celle qui explose, qui détruit les parties, puis qui fait chier le monde. J'adore ça. Tu peux les kick n'importe quand, par contre. Ah, ben c'est nice quand même, si on peut les kicker. Malgré que, tu sais... Fait qu'il te reste une minute à la fin d'une quête, t'as pas le... C'est pas le moment que tu penses kick, malgré que là, ça va sûrement arriver. Si ça arrive, souvent, le monde va le penser tout de suite, mais t'es comme, ah, bitch, arrête de me... Tu sais, tu penses que c'est un accident au départ, puis là, la personne continue, puis là, t'es comme, ok, t'es juste un bitch. Puis là, faut que tu penses à le kicker, faut que t'ailles dans le menu, puis tu le kicks. Après ça, faut que tu te dépêches. C'est quand même chiant. La vérité, c'est que ce type, c'est le père de Jean Poitou. Oh! Daddy? C'est mon père. Mais c'est vrai qu'il y a une petite moustache, mais il n'y a pas trop le regard jugeur que Jean Poitou a. Jean Poitou est en train de le juger en ce moment parce qu'il ne juge pas assez. Puis comment? Comme si j'allais te parler. Parle-toi tout seul. Faut dire que ça step up bien, ce serait difficile de retourner sur la version portable. Je sais pas. Il va falloir que j'essaye en fait. Mais je me suis toujours dit ça, ça va être dur de retourner à un jeu, mais je suis capable de retourner dans les Monster Hunter plus vieux sans problème, généralement. Genre Freedom Unite, genre joue facile. C'est sûr qu'il y a un petit laps où il faut qu'on s'habitue. T'sais, parce qu'on peut plus monter vite, on peut pas vraiment sauter. La fluidité des mouvements est pas pareille dans les anciens. Mais c'est jouable quand même. Mais c'est sûr que si on commence par World, après ça on va Freedom Unite, on va trouver ça que c'est tough. Je suis pas sûr qu'on puisse en fait. 3DS par contre, mais je sais pas en effet. Je sais pas, Dogger. Parce que moi j'ai apprécié toutes les versions de Monster Hunter en fait. Je sais pas si je suis juste un fanboy. Fanboy fini ou je sais pas trop quoi. Le niveau de recherche a augmenté. Visitez les archives. Bonjour. Bonjour. Cactus raffiné. On a rien dit à rien! Je veux juste dire qu'en ce moment, Jean Poitou est partout. Je suis le maître des bêtes. Jean Poitou is the master of the beasts. Jean Poitou est un démolisseur. Fait que la personne qui demandait si ça détruisait bien des parties. Faut croire que oui. Champion champêtre, nombre de récoltes, 34. Ça veut-tu dire que j'ai rien foutu, ça? La réponse est non. J'ai foutu beaucoup de choses. Moi, j'ai bien aimé toutes les Monster Hunter. Fait que, comme j'ai dit, est-ce que je suis un fanboy ou whatever? I don't know. Puis World a l'air très bien. Fait quoi? En passant, je sais qu'il est tard pour vous en France. Je sais qu'il y a des Québécois avec nous, parmi nous aussi. Vous autres, il n'est pas tard. Sauf que j'ai l'intention peut-être de streamer un petit peu de Dissidia plus tard, comme c'est marqué dans le titre. Je sais s'il l'a bien changé. Je sais pas s'ils l'ont bien changé, comme d'habitude. Mais en tout cas, je l'ai changé, techniquement. J'ai pas joué aux versions PSP, j'ai pas la console, j'ai débuté avec les versions avec Trade. Du coup, j'ai que saigné les versions 3DS. Mais ça faisait... Par contre, ça fait du bien d'avoir Monster Hunter sur console, sur écran de TV, pas de temps en temps. T'sais. C'est sûr qu'il y a la version japonaise de Double Cross sur Switch, là, mais il faut quand même que tu l'importes. Beau travail, les érudits ont pu accomplir leur tâche et revenir sains et saufs. Merci à toi! Grâce aux efforts de la 5e, des écofacs sont prélevés aux quatre coins du continent. Nos chercheurs pensent pouvoir très bientôt localiser le Zoromangdorus avec précision. En attendant, l'un d'entre eux a apparemment été séparé de son escorte. Je veux de la 5e, le retrouve et assure sa sécurité.
Vive la Suisse, vive la France! Ça me rappelle tout le temps Conker's Bad Fur Day quand les petits paysans disent ça. Là. À chaque fois, je sais pas pourquoi. Qu'on dise vive quelque chose, c'est avec ça que ça va me rappeler. Ça y est, le capot gay. Nouveau camp disponible! Comme si j'avais besoin d'un camp. Mana. Commandant. L'homme que tu as croisé est un ancien de la première, le seul chasseur wyvérien de la commission. À vrai dire, il est censé à la réussite de notre mission, mais nous l'avons perdu de vue depuis quelques temps parce que lui a décidé qu'il sacrait son camp et s'en foutait de vous autres. Il s'est dit, moi je connais tout, puis notre but ici c'est d'apprendre à connaître tout. Fait que moi j'ai pas besoin de leur apprendre tout, parce que moi je connais tout. On veut un live sur Conkers, éventuellement je vais en faire un, c'est sûr, il va falloir que j'en fasse un. Je lui ai proposé de l'accompagner mais il a refusé tout net. Plus personne ne l'a revu. Dans le fond, c'est vraiment le père de Jean Poitou. Il était comme, oh, je vous juge, Jean Poitou. N'aime pas ça, mais en fait, lui, il s'appelle pas Jean Poitou. J'adore comment que le monde n'a pas de nom aussi. Hein. Lui, il s'appelle Commandant. C'est son beau nom. Mais même si je... Puis l'autre gars, c'est chef d'équipe qui s'appelle. Commandeur, chef d'équipe. L'assistante. Ils ont tous des noms merveilleux. J'aurais dû m'appeler... Ben, Jean Poitou, ça fonctionne très bien. Je peux pas m'appeler mieux que Jean Poitou. Puisqu'il t'a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter, je lui fais confiance. Il reviendra en temps voulu. Merci pour ces nouvelles réconfortantes. C'est quoi qui se passe? Sniff, je pleure. Ne pleure pas, Malcross. Ne pleure pas. Fait que là, on est accepté marécage mortel. Fait que j'imagine que ça serait le bitch qu'on a chassé aussi dans la bêta. Je vais voir quelque chose. Ok, tout le monde est là. On a 4 personnes in our room. Et on va se... Non, c'est ça. Fait que j'ai même pas besoin de ça. Parce que je peux pas y prendre. Faudrait que j'aille à la shop acheter du stuff. Ah, on peut même pas prendre le Wyvern Fire. Oh god, qu'est-ce que j'ai fait à prendre ce Heavy Bow Gun-là? Honnêtement, je le sais pas. Il était tentant parce que c'était Great Jagra. Comme si on n'avait pas besoin du Great Jagra, en fait. Ah, j'ai même pas plus de munitions de niveau 2. Shit. C'est pas le best. On va aller voir à la shop qu'est-ce qu'on peut avoir. Jugeur. Il faut être... Je pense que Snow veut se faire regarder, en fait. Pourquoi je suis venu nous voir? Eh bien, c'est une longue histoire. Je traînais dans un marché clandestin, un endroit vraiment louche. J'étais une prostituée, bref. Un jour, j'ai rencontré la femme à la... la femme à la tête de tout ce bazar. En la voyant, j'ai tout de suite voulu être comme elle. Elle m'a pris sous son aile et m'a fait percer l'océan jusqu'ici. J'ai l'impression que ça a fait une éternité. Fait qu'elle lui a offert une bonne somme pour y avoir fait des faveurs. Et il est rendu là maintenant. De quoi t'as besoin? J'ai besoin de ta drogue, mon cher. Give me all your drugs. C'est-à-dire tes munitions niveau 2, s'il te plaît. J'en veux 16. En fait, faudrait que je n'achète des millions, mais je suis pauvre. J'ai juste 2358. Zzz. Je devrais rentrer dans la prochaine. Ok, Zoli. J'espère. J'espère pour toi, mais si vous avez... attendez un peu, dans le fond, si vous avez déjà joint la quête d'avant. Juste pour laisser la chance à d'autres personnes. Parce que je pense qu'il y a 2 personnes qui voulaient, qui n'ont pas pu joindre, si je me trompe. Fait que ça, on peut juste prendre un tranquillisant, je m'en fous un peu, honnêtement. On va aller voir dans notre coffre si on n'a pas quelque chose de mieux. Et ouais, en effet, Cyclope a rejoint la session. Et étrangement, a quitté la session. En attente. Bref. J'ai-tu quelque chose? Oh, anti-blindage, c'est vrai, on peut avoir ça. Je l'ai-tu rangé par hasard? Oh non, je les ai tout utilisés. Never mind, je suis stupide. Ça, on les a. Excusez-moi si je suis vraiment perdu. J'ai le goût d'aller vous faire... On va voir si tu peux faire un arme ou de la mienne. Ouais, c'est exactement ça que j'allais dire, en fait. Quixi, il est pas seulement là pour tout marquer dans le chat qu'est-ce qu'il faut, mais il lit dans mes pensées en plus. Que fais-tu, mon cher? Que fais-tu? Avoue que t'es juste à côté de moi. En fait, t'es dans la fenêtre. Toi aussi, il y a plein de monde dans ma fenêtre en ce moment. En train de regarder puis faire « Oh, je vois, qu'est-ce que tu penses? » Parce que c'est comme ça que ça marche. Ok, j'ai dit n'importe quoi. Et qui es-tu? Pourquoi as-tu un beau gun? Il est impatient en plus. Bye! Je te juge, Jean Poitou, te juge. Bon. Allons voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ça m'étonnerait... Je veux pas faire l'armure de Baroth, mais on a sûrement pas assez de matériaux de toute façon pour le faire. On va voir si on peut pas améliorer notre arme. En fait, on peut-tu faire... Ah! Oui, je veux celle-là. C'est celle qu'on avait du départ, non? Oui.
Fait que j'ai tout changé mes munitions pour rien parce que je vais re-switcher à celle-là, je pense. C'est-tu œil du dragon qu'on a? Où c'est qu'on le voit? Courroux du dragon. C'est pas la même chose, non? Œil du dragon. Courroux du dragon. Ah, shit, c'est celle-là qu'il nous faut. Mais on peut la faire aussi. OK, parfait. On l'avait-tu? On l'avait pas? Finalement, c'était peut-être pas celle-là qu'on avait. C'était pas... Je suis tellement perdu en ce moment, vous avez aucune idée. En fait, vous avez une idée parce que vous me voyez que je suis perdu. Fait que, ça devrait être lourd. Ils me disent que je l'ai dans le coffre. Fait que je suis juste aveugle. Je suis aveugle. Jusque-là, wow, mais pas loin. Ouais, c'est ça que je me disais aussi. Avec 6 ans, on te connaît un poil par cœur. Ouais, ben, ceux qui me suivent depuis longtemps, oui. Et plein de choses que j'y vois que je suis pas capable. Ok, je vais me concentrer sur. Améliorer. Merci. Excusez-moi, je suis en train de me frustrer après moi-même. On peut-tu classer les stuff par arme? Équipé, catégorie, affinité. Ah, rareté? Je sais pas pourquoi ça changerait grand-chose. Ok, soit que je suis vraiment stupide, soit que je suis stupide parce que je la vois pas. Pis c'était marqué qu'on l'avait dans notre coffre. Ah, elle est là! Je suis stupide! Ok, parfait! On peut l'upgrader deux fois en plus. Merci, je pense. J'ai pas vraiment regardé. Oh, page 2. Je me suis quand même aidé. Merci d'avoir essayé de... Quixi l'a vu avant moi. Mais c'est sûr, c'était pas dur à moi. Elle était drette dans ma face depuis le début. Puis je la voyais pas. Je sais pas pourquoi. Ah, les gars! On va aller à remettre des munitions, puis Ah, pas c'est une quête. Bon, ben, si vous voulez faire une quête avec... Enfin, on va aller l'espionner, c'est quoi? Non, je veux pas faire ça! Je veux faire rejoindre une quête, on va aller espionner, c'est quoi sa quête? On va aller le juger. Valhazak, Faucha... Ok, j'ai compris! Allez jouer, vous autres, ensemble! Faire des affaires que j'ai aucune idée, c'est quoi? Je vais pleurer dans mon coin! Jean Poitou, vous juge! Parce que vous pensez être rendu loin, mais vous ne l'êtes pas. Jean Poitou est rendu plus loin que vous l'êtes. Je voulais aller voir si on pouvait upgrader notre armure, excusez-moi. Mais j'ai décidé d'abandonner. Parce que je veux prendre le monde charge. Et aller... Enfin non, on va rester à la cantine. On va manger pour une fois. Oh, le chat a venu parler. Tu veux bien m'aider à trouver des... Non, goddammit, pourquoi... Le spoil... Ben, techniquement, j'ai aucune idée c'était quoi. J'ai pas porté plus attention, fait que ça m'a pas tant spoilé que ça. Quand t'auras terminé, on aura un menu musclé que des biceps de Rajang. Bon, oh, Rajang, c'est... S'il est pas déjà dans le jeu, il va arriver en DLC, c'est sûr. Fais en sorte que mes gars puissent récupérer les marchandises sans risque. Je compte sur toi. Ouh! Gadjo! Si seulement John était là! Ah, pas des Vespoids. On pourrait se faire l'armure de Vespoids, par contre. Est-ce que je veux vous faire souffrir à faire des... Oh. Bon, hop, va jouer à sa place, Chris, tu me parais plus compétent. Ben, honnêtement, ça m'étonnerait pas que ça ait plus compétent. Et ça m'a aucunement offensé. By the way, où sont les gadgets? Oh, wow. Les gadgets. Faut que je... Non, oui, Il y a trop de choses qui se passent dans ma tête. Et inquiétez-vous pas, je vais regarder dans mon coffre pour aller chercher les munitions, ok? Je m'en rappelle. Juste pour le fun, nos amis les Vespoids. Juste pour le fun. Est-ce que je suis bitch? Non, je suis pas bitch. Ok, on va compléter nos missions de, au moins, marécage mortel, une autre quête de... De story, si on veut. Puis après ça, peut-être qu'on va aller chasser des Vespoids. Il est violent, en fait, ce chat. Il a deux fois la musculature de Kevin in real life. Et en plus, il a fait la cuisine avec des chats. Je n'aurais pas su mieux dire que ça. Fait qu'on accepte la quête. Et pendant qu'elle load, on va regarder nos munitions. Parce que, hey, on est productif. On fait deux choses en même temps. Loader et regarder nos munitions. Yes! Donc, qu'est-ce que je peux prendre? Toxique. J'aime toujours ça, empoisonner mes victimes avant de leur faire des choses. Alors, oui. Slice, parce qu'on veut faire chier le people qui me joint. J'ai pas remarqué si le monde pouvait me joindre tout de suite, mais je pense que non, parce que c'est une quête de...
une quête de story. Fait que sad story is sad. L'écriture inclusive, ça marche vraiment pas. Fait, ça a l'air à ça parce que j'ai. Ça a de l'air d'avoir fucké dans ton affaire, mon cher. Oh, ouais. Ah, ok, je viens d'avoir un message qui aurait fallu que je lise il y a 5 minutes en fait. Donc. Je sais pas si je peux le faire tout de suite en fait. Je pense que non. En ce moment, vous voyez pas grand chose, je le sais très bien. Fuck, je peux pas faire de même. Non! Ah, ben ok, never mind. Il a rejoint. Je lui ai envoyé un invite, sauf qu'il a rejoint par lui-même. C'est qu'il est good, sauf que. Sauf que c'est ça qu'il est. Non, arrête de faire ça, please. Ok. Excusez-moi, je suis en train de décider par quoi que je commencerai à attaquer le monstre. Soit il faut que je fasse retrouver le chercheur. Ok. Allons retrouver le chercheur. Avant de retrouver les chercheurs, il faut faire un overkill. Je sais que j'ai pris les munitions de Wyvern, j'ai changé d'idée. By the way, tu penses. Veuillez ignorer ce fail. Qui n'était pas un fail, en fait, c'était totalement voulu. Ok. Voici notre victime. Son nom, c'est Kelbich. Il aime se gambader dans la nature. Ah, fuck, je peux pas le viser, là. Ok, on va arrêter de niaiser, puis on va aller le shotter de suite, puis il va mourir. Je l'ai-tu manqué? Jean Poitou ne manque jamais. Jean Poitou faisait exprès manquer sa shot. Fait qu'on va overkill le petit Kelby. Totalement pas overkill, en fait. Merci. J'imagine qu'il faut briser leur conne pour avoir leur conne. Et là, il va me donner sa... Il m'a donné de la viande crue. Puis-je être déçu? J'ai utilisé un fucking Wyvern Fire, puis tu me donnes de la viande crue. J'ai vraiment essayé de pas le voler. Ah, ok, non! Ne commencez pas une fight! Parce que s'il y a une fight, Jean Poitou va la briser. Et Jean Poitou n'aime pas les fights. Parce que c'est la fight. What? Je sais pas ce que ça voulait dire. Mais bref. En passant, vos noms sont différents. Parce que Wolfie et Wolfie, ça sonne peut-être pareil. Mais c'est pas pareil. Pantouf. Parce qu'il y en a un qui est un loup. Puis l'autre, ça n'a pas rapport avec un loup. Bref. Des épines. Ah! Un bon chasseur aurait droppé les cornes. Un bon chasseur aurait utilisé Wyvern Fire in the face of a Kelby. Ouh, des grosses épines. C'est qu'est-ce que j'aime. Un Wolfie, c'est un bear. Ouh, comme je les aime, voyons. Est-ce qu'on recapture le crapaud qui est là, qui nous regarde étrangement? Paralyse crapaud. De la bonne charogne. Fait que j'imagine qu'il faut suivre qu'est-ce qu'il y a à nous marque là. Puis c'est évidemment les affaires de Nergigante. Qui nous montre là. Est-ce qu'on va voir un Nergigante? J'espère que oui. J'en doute fortement. Ils vont juste faire « Oh my god, qu'est-ce que c'est que ça? » Même s'il est partout sur les fucking game cover puis qu'on le voit exactement. En tout cas. Moi qui suis en train de rager juste pour rien. Nani? Ah non! Je sens venir le gros mob du viol. En effet, le gros mob de la super vidéo. Oh my god. Ok, non, je le faisais pas. En ce moment, j'ai perdu les navicioles, sauf que j'ai spoté quelque chose en distance. Fait que je me dis que c'est là, faut que j'aille. Oh, best one! Never mind. Je veux en avoir. J'en aurai sûrement de besoin parce que c'est, ça guérit de choses. Truc, chose. Merci pour toutes ces best ones. C'est quoi ça? C'est un Baroth au loin que je vois. Ah, des gadgets! Oh, non, des gadgets! Je veux les gadgets! Do it, man. Je sais que vous le voulez que je le fasse. J'ai comme l'impression que je vais me faire massacrer par des gadgets. Ok, ne me jugez pas. Je les préviens d'avance. Je vais me faire massacrer par des gadgets. Oui, je sais que je suis loin pour les frapper, mais j'attends juste qu'ils s'en viennent plus proches. Oh, de deux, quand même. C'est pas avec ça qu'ils vont mourir. John, où es-tu quand j'ai besoin de toi pour tuer des gadgets à ma place? Ah, goddammit, la scène. Kill the goddamn... Gadjo, oui, c'est seulement. Et là, je reçois des messages sur Gmail en plus. Non, I don't care de vos messages. Pas vous autres, mais Gmail. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait ça, mon... Je l'ai vu. J'ai vu Jésus. C'est sûrement ça qu'il va dire, on s'entend? Jean Poitou, ne peux pas. Tu ne peux pas avoir vu Jésus, parce que Jean Poitou,
est un dieu, et Jean Poitou, c'est tout. C'était lui! Ah, nice! Mordis la queue, away, go! De toute façon, il est déjà mort. Le lavatio-like aussi, qu'on pourrait dire, non? L'abus des cure-dents est dangereux pour la santé. C'est la leçon qu'on doit retenir de ce Baroth-là. Il était comme, oh! Il y a des cure-dents par là, puis ça les a fait rentrer solides. Il a demandé de l'aide à Nargayante pour se curer les dents, et ça a donné ça. Pauvre petit lui. Donc, c'est avec le temps pour me joindre. 62-55, si j'ai bien marqué ça, parce que je m'en souviens même plus si j'ai marqué ça, pour joindre la quête. Et je lance ma fusée de détresse, si me le permettent. Et oui, me le permettent. Go! Et je vais envoyer ma meat aussi, comme la tradition le veut si bien. Oh! C'est pas poli de me frapper pendant que j'envoie ma meat à du monde. Et savez-vous quoi, pendant qu'il y a personne, ok? Je sais que je suis encore trop gentil aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce que j'ai. Je me sens trop généreux. Ah, il va me cracher dessus, mais je m'en fous parce que je vais le frapper dans la face. En masse fort. Fait que je viens d'y exploser dans la face. Wolfie a joué la quête. Parfait! Good job! Sauf que la lavation est dans le jeu. Ah, c'est vrai, il est dans le jeu. Hors de portée. Ah, là, c'est vrai qu'il est... Ah, ben non, je l'ai pogné. Never mind! C'est pas hors de portée. Pantoufle. Je vais pouvoir le sniper avec mon œil de dragon. Ah, il est tombé! Shit! Je porte... Sérieusement, c'est tellement... Il y a tellement une grosse partie de moi qui veut lire tout ce que vous dites, sauf que faut que je me concentre aussi au jeu. Parce que... Mon centre demande de la concentration. Mais là, vous... Je suis tordu entre deux choix. Mais on sait tous que le bon choix, c'est de lire qu'est-ce que vous marquez. Ah! Pourquoi, mon cher? Stop it! Stop it! Non, je ne veux pas... En fait, on va bloquer son attaque, parce qu'il va me sauter dessus. Ah ah! Je l'ai collé! Comme si tu m'avais surpris, mon cher. J'ai un bouclier juste pour ça. Juste parce que je le sais que sinon, je serais pas capable de dodger avec un heavy bow gun. Même si je viens de le faire techniquement, mais c'est pas un assez beau jump. Fait que, re-bienvenue dans la quête, Ellie! Je suis en train d'utiliser mes normales level 1. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Et je sais maintenant. Fait qu'à la place de faire le cave puis de tirer dessus, je vais me guérir pour pas avoir un troisième mort, même s'il va me sauter dessus. Bye bye! Je ne veux rien savoir de toi, mon cher. J'ai eu ça à avoir l'element d'eau. Ok. Je suis totalement déçu du jeu. Parce qu'il n'y a pas de bulle qui sort de la boîte quand on est complètement accroupi sous le mod. Mais ça, dans Wall, il est intense. Il est intense, nice, c'est ça qu'il faut. J'ai rien contre les challenges. Bon, ok. C'est le temps de le faire exploser. J'ai pas frappé à la bonne place, mais c'est good enough. Et maintenant qu'il y a du monde, on va utiliser nos normales level 1. En fait, lui, j'ai aucune idée c'est où son point faible. Ok, c'est sa face. C'est noté. C'est ça qui est le fun avec les dommages, on peut le savoir tout de suite. Mais avant, on pouvait le savoir aussi avec l'animation. Go, Wolfie, ta flûte de chasse. You rock. En fait, peut-être que si tu fais vraiment... T'avais une guitare, tu pourrais rocker, bien comme vous. C'est la guitare de Gravios, il me semble. C'est la flûte de chasse de Gravios. Il me semble que c'est une guitare. Et celle de Jinuga aussi, Jinuga. Hey my god, ça fait longtemps, je l'avais même pas appelé Jinuga depuis longtemps. C'est parce que sur mon ordi, j'ai genre plein de fonds d'écran de Monster Hunter et c'est genre les noms de monstres, mais en japonais que j'ai. Fait que on dirait que des fois je les regarde puis ça me pop dans la tête les noms japonais des monstres. Fléodo. Oh god. Je suis en train de m'en aller de la fête. Go, vous êtes capable! Faut que je tue des gadjos. God, c'est vrai, faut que je tue des gadjos. Don't mind me, tuez des gadjos. Je sais pas si ça compte comme... En fait, je veux tuer des gadjos parce que faut que... J'aime ça tuer des gadjos. Mais je sais pas si ça compte pour la quête. Je penserais pas, non? Merci pour la protection de Louis. J'apprécie grandement. Des fois, il faudrait l'avoir. Dans la vie de tous les jours. C'est moi où le gadjo, il y avait des fins de briser. Et maintenant, traquer le monstre. Non. Ça me l'a pas marqué qu'il m'en restait 6, maintenant. Fait que je pense qu'il faudrait que je prenne la quête avant de pouvoir le faire. Ou peut-être partir en expédition. I don't know. Fatalis aussi. Il y a Fatalis dans World? Je suis pas au courant. Tu me spoil? Boue gluante. Don't mind me, je prends de la boue. Il y en a de là aussi. Faut bien que j'upgrade mes affaires, non? Faut pas jouer pour rien.
Mais Navisiol m'apporte ici. Ah, des graines de force, nice. C'est la première fois que j'en trouve, fait que c'est bien. J'aurais dû m'accrocher après ça. Why not? Juste parce que je peux. Oui. Ok. Oh, je m'en vais pas partout à la bonne place. J'étais habitué parce que dans, mais ça me dans bêta, il s'en allait tout le temps. GG mon gros. Ouhou. J'aime ça quand tu me whispers dans les oreilles de même. Ok, lecteur, corne de chasse. Good, good. Fait que le Fatalist n'avait une aussi. Ah, ça se peut très bien. Je me rappelle même plus de quoi qu'il a de l'air. Ça fait longtemps. Longtemps que je l'ai pas. À regarder. En fait, je l'ai tué déjà. Ah, ben oui, dans Monster Hunter Freedom Unite, il me semble. Ouh, Ellie. Je m'en viens avec toi, Ellie. Faut que je recharge mon bowgun. Fait que autant il sautait dessus pendant qu'il passe à côté. Je suis opportuniste de même, en fait. Je pourrais l'empoisonner. Tu sais, autant utiliser nos munitions qui servent à quelque chose. Fait que. La logique de moi, je change de munition, je me reload avant de changer de munition. GG! GG! Je peux pas demander mieux. Qu'est-ce que j'aime dans World, là? C'est juste l'animation de quand les monstres sont empoisonnés. Je sais pas s'il est empoisonné. Ah, oh, il bave! C'est parfait! Je sais pas pourquoi. Ça me fait chaud au cœur de le voir baver de même. C'est comme ça rend ça un petit peu plus réel, mais pas vraiment parce que... Tu sais, quand on est empoisonné, on bave pas nécessairement du mauve. En fait, je pense. Faudrait que je me fasse mordre par... Ah! Il m'a sauté dessus! Moi aussi, j'adore ça. Hey! Une petite seconde. On n'a pas... Non! J'utilise jamais le lock-on! Ok, ça me fuck plus qu'autre chose. Je suis trop habitué de ne pas utiliser le lock-on. Et j'ai été cave, j'ai pas reloadé mon gun, j'ai fait ça. J'aime quand mon nav planque. Ah non! Ton navigateur a planté encore. Mais ça arrive souvent. Ou c'est pas toi. Ça arrive souvent que le navigateur plante. Regarde que ça va bien avec du people qui tue tout à ma place. Hey, savez-vous quoi? Vu qu'on a trop de fun à chasser des monstres de même, on va envoyer notre meat aussi, faut pas que j'oublie. Très important d'envoyer ma meat. Tenez, vous êtes une meat pour chacun d'entre vous. Et juste parce que... Tu sais, il y a une place précise. Wolfie, je t'envoie une meat de plus pour toi. Les autres vont être jaloux. Objet Gyarados, fait qu'il y a un shiny à quelque part que j'ai pas vu. Je fais exprès de rendre les autres jaloux. Nageoire. Gyarados. Ça n'est un... Ah oui, ça n'est un good. Ekai Gyarados. Je sais que je prononce très bien les noms. Je crois que le reste des monstres vont arriver en DLC. Ben, il va sûrement en avoir une couple en DLC vu que Devil Joe est déjà annoncé. Fait que... Honnêtement, c'est bien, c'est bon signe. Peut-être qu'il va y avoir G-Rank aussi éventuellement en DLC. À la place de l'acheter séparément. Full price. Ce serait cheap qu'il fasse quand même une autre version, genre G-Rank, au prix plein qu'il faudrait payer et à racheter. Ça serait vraiment cheap à place de le faire en DLC. Ça m'étonnerait pas à remarquer. Ça m'étonnerait vraiment pas. Oh my god, Ace Malkai! Je me croise pas souvent, mais j'aime ça me croiser. C'est comme quand je passe devant le miroir, je suis tout le temps en train de faire « Ouh, c'est moi. » C'est pas arrogant pour une scène. Oh! Jean Poitou is a demolisher! Fait que je pense que ça brise bien les parties. Un heavy one pour... Je suis fan. Premier stream que je peux voir de toi à cause du décalage horaire, j'ai pas pu assister au premier stream. Ah, c'est triste ça! C'est ça qui est un petit peu plate avec le décalage. 6 heures de décalage, c'est quand même pas mal, ça paraît. Surtout que j'ai tendance à plus streamer le soir. Regarde que ça m'arrive. Je le stream des fois, le jour, rarement. En fait, on dirait qu'avant, je streamais plus le jour. Ou pas. Je m'en rappelle plus. J'ai tellement streamé à des heures différentes. Mais bref, bienvenue! Bienvenue au stream, tant mieux. Jean Poitou démolit bien des choses, je peux te dire. Quixi. Oh que oui! Ah, bon. Bien, tout le monde est réuni. Nous allons pouvoir commencer. Grâce à vous, nous en savons bien plus sur les empreintes découvertes sur le continent. Nos chercheurs ont fait leurs calculs et nous savons désormais où sera le Zora Magdaros. Dans mon cul. Ok, excusez, c'était trop facile. Il se dirige vers le Grand Ravin. Grand Ravin, c'est la vallée qui s'étend au-delà du désert des termites. Pas vrai? Exact, j'ai donc une proposition. J'aimerais que nous le capturions une fois là-bas. Comment tu veux capturer ça? Capturons Godzilla. Why not? À place de le tuer, on le capture. C'est une bonne idée, ça. Il n'y a rien qui peut arriver de mal. Voyons. Écoutez-moi, le Ravin est-il là pour une embuscade? Une occasion pareille ne sera pas pour moi parler bien. J'avoue que l'idée me plaît. Toi, t'as pas rapport. Tu fais de la bouffe. Va dans ta cuisine. Non, je... si on n'agit pas maintenant, il pourrait bien se passer 10 ans. Si ce n'est plus, avant qu'on ait une autre chance. Pourquoi 10 ans? Puis plus?
Pourquoi il y aurait une autre chance? Il marche pas vers quelque part, lui. Il n'y a pas une destination. Pourquoi vous savez qu'il y a... En tout cas, faut que j'arrête de me poser des questions. Si je vous disais que non, cela changerait-il quelque chose? On peut tenter le coup. Avec la cinquième à nos côtés, on a toutes nos chances. Avec Jean Poitou, vous avez tous les chances. Jean Poitou va tout faire tout seul. Même si c'est généralement les autres qui joignent sa quête qui font tout. Et Jean Poitou fait tout quand même. Avant d'envoyer nos chasseurs sur le terrain, nous devons protéger Astera. Un Anjanath a été repéré. Près d'ici. Il est trop dangereux pour qu'on le laisse en liberté. Nous devons l'éliminer. Ah oui, c'est très important. Le cul large. Gigi mon gros. My god. Hey, trop de choses qui se passent dans le chat. Ok. Très bien. Chasseur, vous avez entendu, votre prochaine cible est l'Anjanath. Correction. Ma prochaine cible, ok, est des Vespoids. Fuck l'Anjanath. Je m'en fous qu'on... Jean Poitou s'en fout que vous ayez juste une chance à capturer le Zora Magdaros. Les Vespoids sont bien plus importants. Commandant, je pense que j'ai une idée. Je m'en fous de ton idée. J'aurais besoin de ton aide. Passe me voir plus tard. Non, je veux pas. Autre chose, à propos du rapport troublant que nous avons reçu, tu pourrais... Bien sûr, je pourrais. C'était très clair, là, ça fait. Très bien. Alors, mettons-nous au travail. Nous avons un dragon ancien à capturer. Ce sera tout. T'as juste à foutre une... deux pièges choc à ses pieds, là. Il va être paralysé, voyons. Hey, c'est vrai, je vous ai pas envoyé de carte de guilde clan. Ça y est. J'irai pas faire les affaires de clan, là. Mais, faudrait que j'envoie mes cartes de guilde à vous autres qui êtes là. Envoyez. Je vais toutes les envoyer. Ça se peut que je vous aille déjà envoyé les cartes de guilde. Mais je m'en fous, ok? Je vais toutes vous les renvoyer. Ok, ça va me rester popé là tant que je vais pas voir. Ok, on va aller voir. C'est pas que ça m'intéresse, mais il faut que j'aille voir. Vous ne faites partie d'aucun clan. Gigi mon gros. Sérieux. Vespoid, Anjanath. Dis-tu quoi, Chris Wayne? Le Scarabous est en priorité. T'as raison, ça a pas de bon sens. Scarabouze, Vespoid. Mais malgré que les Vespoids, je sais pas si on les chasse à la même place que les Scarabouzes. Je pense que oui. Et en passant, vous allez pouvoir joindre ma quête de Vespoid. J'espère. Splendide, voilà la 5e flotte. Tu ne fais pas mieux tomber. Nous, l'équipe de capture et d'études de la commission de recherche. Ou les captures, tout pour faire court, étudions le Kuluyaku. Nous comptons en capturer un en vie pour permettre au Navisiole de se familiariser avec sa carte avant de le racher. Cela nous permettra de traquer la bête et d'en savoir plus sur son mode de vie. C'est mon vœu le plus cher, à l'heure qu'il est. Il prie à chaque soir pour que Jean Poitou exauce son vœu. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire appel à la 5e flotte pour se charger de la capture. La quête s'intitule « Prie la griffe dans le sac ». Toute aide de ta part serait la bienvenue. Capturer un Kuluyaku. Ah, fuck that shit. Gigi mon gros. Je pense que ça va. Tout le monde va me spammer de Gigi mon gros, ça y est. Mal que le spammer accepte. Non, j'accepterai jamais de Gigi mon gros. Je vais me faire spammer. Oh, non, une carte de guild. Recevoir une carte de guild. C'est qui que je l'avais pas eu? Ah, Malcross. Nice. Recevoir. Merci. J'ai aucune idée si ça l'affecte autant les choses. Oh, faut que je te parle à toi. C'est quoi? Fuck you. J'ai pas besoin de te parler. On va aller dans le coffre refiler nos munitions. On n'a pas de setup. On peut pas... Question à ceux qui connaissent le jeu. Est-ce qu'on peut se mettre des sets, des items sets comme dans les autres Monster Hunter, les plus récents? J'aimerais que la réponse soit oui. Ah, oh, goddammit, c'est vrai, faut que je m'achète des munitions niveau 2, mais je suis pauvre! Je suis trop pauvre parce que je me suis acheté une fusée arbalète aussi. Ça l'explique bien les choses. Et... Le Wyvern Fire qu'on a très peu gaspillé, en fait. Contre un Kelby. Oui, oh oui. Tu sais, quand tu lis le chat un après l'autre, puis que ça fit, puis on dirait que vous faites des choses différentes de qu'est-ce qui se passe. Fait qu'on peut en faire, et comment qu'on les fait? Je suis noob, rappelez-vous de ça. Cyclope, recevoir, merci. J'ai dit merci? Ah! J'ai perdu le chat pendant un instant. Bon, fait que je vais aller m'acheter mes normal level 2. Est-ce que je me ruine? pour ça que je suis cheap! C'est ça la difficulté d'être un gunner au départ. On n'a pas de cash. No money! Comme dans la vraie vie, j'ai pas de money. En fait, c'est pas si pire que ça, je suis capable de vivre. Je suis capable de me nourrir. C'est ça l'important. Je suis capable de jouer à Monster Hunter World. Quand même, tu sais.
Fac, let's go! Nouvelle quête! Libre! La quête la plus fun au monde! Vespoid. Ben en fait, ouais, on va mettre un mot de passe qui est le même mot de passe que d'habitude. What the fuck? C'est pas moi qui ai contrôlé. C'est aucunement moi qui ai contrôlé. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est pas grave. C'est tout ce qu'ils disent. C'est mes mains qui ont contrôlé. C'est pas moi. Bref, je me trouve drôle. Je suis pas drôle. Ok, compris. Aller pleurer dans mon petit coin. 1090. La raison pourquoi on n'a pas vraiment de cash, parce qu'on joue à 4, puis l'argent est séparé en 4 d'après ce que j'ai compris dans mon affaire. Cyclope va me spammer de GG, mon gros. Au moins, ça l'envahit pas l'écran. C'est juste à droite, là. Je vais vous envoyer ma meet pour vous dire que vous pouvez joindre ma quête. Qui ne voudrait pas joindre une quête de Vespoid? J'attends une réponse. Si vous la joignez pas. Ah ah! Ellie, comme d'habitude, je peux compter sur toi. Zalkos, Tenkoyu. Est-ce qu'on attend d'autres personnes? Moi, je dis que oui. J'avais quelque chose à faire. Enfin, il faut que j'aille voir lui pour aller voir. Qu'est-ce qu'on a débloqué là-dedans? Hey, Wolfie, aussi nous joindre. Nice. Ça va faire les meilleures quêtes en plus. Faut que je regarde, faut que je capture un Scarabouse avant de faire autre chose, parce que c'est l'affaire la plus importante au monde. Comment ça, on a upgradé le niveau de connaissance sur Zora Magdara, ça a l'air. Parce qu'on a regardé sa marde. Fait qu'on en connaît plus. Moi, je le join pas. Quixi, voyons! On sait tous que tu as le jeu et que tu peux joindre. Oh, wait! Oui, je sais, Quixi. Bon, ben, on est plein! Parce que tout le monde avait hâte de faire des Vespoid. À mort, les Vespoid, en effet. Vous autres, vous comprenez tout qu'est-ce qu'il faut faire. Ah ben j'attends que vous soyez prêts. Come on, vous êtes bien lent. Moi je suis prêt depuis longtemps. Jean Poitou, vous juge. Jean Poitou est tout le temps là pour vous juger. J'allais dire, il faudrait upgrader nos stuff, mais on n'a pas l'argent non plus pour faire ça. Et Jean Poitou est prêt, ok. Vous n'attendez pas après Jean Poitou. Go farm les Jago. Les Jago, oui. C'est parfait. Les Gadjo. Peut-être après on va aller faire les Gadjo. Et le juger en même temps. On peut juger et jouer en même temps. Jean Poitou juge constamment. Peu importe. Jean Poitou dort, il juge. Jean Poitou est à toilette, il vous juge. Jean Poitou juge tout le temps. Fait que si Jean Poitou est capable, vous êtes capable aussi. Cyclope va nous spammer de GG mon gros. Savez-vous quoi? Je suis parti à la chasse au... Attends une minute, faut que j'aille avant de partir, avant que Jean Poitou parte. On va prendre des rations, et ça parce que je vais me faire tuer probablement par des Vespoid. En passant, si vous voulez tuer autre chose dans la quête, vous pouvez. J'ai rien contre, parce que je suis parti à la recherche de Scarabouze. Qui veut venir à la chasse aux Scarabouze avec moi? Personne? Peu. Bref. En passant, je pense... que si je comprends bien comment la map marche, on peut voir des petits points sur la map et c'est marqué Vespoid dans ce moment. Fait qu'on peut savoir où c'est que sont les petits bitches. Il y a des castodons là. Il y a des herbes anti... Non, je m'en fous de ça. Ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Oh, lâche-moi! OK. Mosswine. Le Mosswine est en dehors de la map, mais c'est parce qu'on n'a pas été là. Mernos. Ah, les Mernos! Je pense qu'il nous en faut pour des armures ou des armes, je pense. Gadjo! On a vu des Gadjo! Mais bon, bref, on est parti à la chasse aux Scarabouze. Ah, les bilules! Excuse-moi, les bilules! J'ai pas pu te capturer aussi vite! Parce que j'avais pas équipé ça. Good. Les bilules divinatoires. Ce n'est pas une simple libellule. Elle est divine. Je pense pas que les Scarabouze se tiennent dans l'eau. Parce que leur marde serait... se dissoudrait dans l'eau. Est-ce qu'on peut... Non, ok. Je voulais dépecer l'arbre, mais on peut pas. J'aime ça avoir du bois. Du wood, comme qu'on dit. Scarabouze serait plus ici, je pense. Genre, où est-ce que Wolfie est? On peut-tu mettre un... Oh! Let's go, Navisiole. Ma nouvelle victime. En fait, nous allons jouer. En fait, Malcross nous a...
nous a appelé. On va aller le voir, parce que de toute façon, il faut passer par là pour aller voir les fesses à Wolfie. Bonjour, Ellie. Ça se peut que... Enfin, on passe pas au Malcross, je pense. Mais je sais que j'ai déjà vu des scarabouses dans cette zone. Non, j'ai halluciné, j'hallucine. Jean Poitou n'hallucine pas. Et c'est juste qu'il voit des fantômes que le simple œil de simple humain ne pourrait pas voir. Jean Poitou voit des choses que personne ne voit. Bref. Ouh, voici les fesses de Wolfie. Est-ce qu'il nous apporterait... En tout cas, le castodon veut y rentrer dans le cul, en tout cas. Où est le scarabouse? Je pense qu'on voit pas les mêmes bibittes en même place, de toute façon. Je penserais pas que ça s'est loadé en même temps. Je ne penserais pas. Ça bip automatiquement quand je vois des Vespoy. Ah! C'est ça qui est nice. Fait que on sait que t'es en train de tuer des Vespoy, toi. C'est quoi cette zone? Excusez-moi, je suis distrait. Nouvis... Ah! C'est un... Ouh! Attendez une seconde. On n'a pas assez pêché dans notre game jusqu'à présent. Fait que j'ai besoin de pêcher. Come on! Mouliner. Come on, on pêche pas avec un piège. On pêche à la vieille méthode. Et là, faut que je regarde comme du monde. Oh, ça vibre! Ça vibre! Ma manette vibre! Exactement. Il déforme la réalité et n'hallucine jamais. Ben, techniquement, nageoire de poisson aiguiseur. What? On peut avoir des... What? Bref, avant que j'aille plus mindfuck, on va s'en aller. Vous êtes déjà rendu à 6 sur 14. Oh, un castelon! Avec des vautours qu'on s'est foutus dans le cul. Je pense qu'on devrait se foutre encore plus de vautours dans le cul. N'est-ce pas? Rentrez dans mes fesses! Oh, 3 vautours d'une shot, my god. On est efficace aujourd'hui. C'est quoi ce petit... Il y avait quelque chose, là. Ah! C'était un scarabouse! On a eu un scarabouse! On va pouvoir le mettre dans notre chambre. J'attendais juste ça. Bon, bref, on va aller en haut de la map. Voir si on trouverait pas. En fait, goddammit. On est gunner! C'est le temps d'aller tuer des mernos! Ça va très bien tuer des mernos! Des merdicus! De toute façon, on a un Malcross qui fait toute la job à notre place. Je suis pas un bitch, non. Je suis pas un leecher non plus, aucunement. Le dieu scarabouse. Bon, toi. Oh, j'ai pogné sa queue. Ne pas prendre hors contexte, s'il vous plaît. C'est qui crie de même, au juste? Sable mouvant. Comment on fait pour activer le sable mouvant, au juste? Est-ce que quelqu'un pourrait... Des noyos. Ah, c'est toi qui as fait ça. Peau draquée, elle est. Comment qu'on active le sable mouvant? Quelqu'un, expliquez-moi ça. S'il vous plaît, ce n'est pas un ordre. Ou peut-être que ça l'est, en fait. Un, c'est assez. Je suis trop lâche. Je foudrais un sec. Nice. C'est comme la quête plate en ce moment qu'on fait. Ok, je suis un sniper. Un dieu sniper, ok? Don't mind me. Oh shit, il descend. Ok, c'est eux autres qui crient de même. Je pensais que c'était... Wolfie avec sa hunting horn. Ah, il fait des beaux moves de danse en plus. On peut l'observer tout en tirant dans les fesses. C'est comme le sujet d'aujourd'hui. À chaque fois que je tire, il monte plus haut. Vite, la quête va finir. Vite. Il reste un Vespoy à tuer. Vite. Meurs. Tombe. Fais quelque chose. À la place de crier. Peut-être juste en amenant un gros mob dedans. Ben, je sais pas parce que dans la démo, on avait Nergigante qui était tout le temps là. Pis j'ai jamais vu le son mouvant s'activer. Fait que j'ai aucune idée comment qu'on fait. Hey! Honnêtement, t'es le plus fatigant bitch au monde. Je sais pas si on va pouvoir le viser parce qu'il est pas mal haut. Nope. Sad. Oblige-moi pas à utiliser mes munitions fortes pour une mission de Vespoid, bitch. Ça a l'air qu'à chaque fois qu'on le tue, il monte. GG mon gros pour les Vespoids. Je pense que... Ah! Tu t'es mis des vautours dans le cul. Please, tout le monde! J'ai besoin de votre aide. Il faut tuer cette bitch-là. Avant de compléter la mission. C'est notre nouvelle... mission. Damage buff. Chance que t'es là. Chance que t'es là pour nous buffer. Congratulations! GG! Vous méritez!
ma meat plusieurs fois, encore une fois. Je suis tout le temps en train de faire ça. Je devrais mettre un raccourci pour ma meat à la place de niaiser même. Ow! Wolfie! Ok, oui, c'est vrai, c'était de l'amour. J'oubliais que c'était de l'amour qu'on mettait. Bon, ben, on peut compléter la quête. Je sais qu'il y a des Vespoids dans ce coin-là, non? J'oserais croire. Il y en a un qui vole juste là. Checkez-moi bien le viser, puis l'exploser. En fait, je devrais peut-être pas l'exploser. Bon, ben, ça a été compliqué, le tuer! Just one shot, one kill. Quand avec groupe actuel. Savez-vous quoi? On va continuer avec le hashtag rejoignez le clan. C'est... Et je te dis, il y a un cactus shiny! Shiny cactus in my face. Mais on va faire les gadgets. C'est ça qu'on s'en va faire. Je sais que vous êtes content. Malcross s'en va par contre. Ou pas. J'ai rien dit, Dan. Vous voyez les vautours au loin? Eh bien, c'est le temps de s'y mettre dans le cul. Yeah! Faudrait se faire une autre armure aussi que cette armure-là. On ira voir après avoir fait les gadgets. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Si on peut se faire quelque chose. J'ai quand même un petit peu gallery du stuff. Pas vraiment. Hashtag stop spamming invite clan. En effet, the spam is real. Parce que je ne vais pas joindre le clan. Jamais, Sebcha. Jamais. Quête réussie. On est-il pas fort un peu? C'était la quête la plus dure que j'ai jamais faite. Surtout que j'ai rien fait. En fait, c'est faux. J'ai capturé... Va stocker ton scarabouse. Ouais, mais ça, c'est après. Il faut le laisser sécher dans nos poches. Donc, c'est avec après. Oh, on a eu du jambon! Jean Poitou! Animaux capturés. Évidemment, je capture beaucoup de choses et je les mets dans mes fesses. Soutien, guérison. Wolfie, évidemment, support. Good job, good job. C'est mon ami qui veut pas arrêter. Ben, ton ami, on va le juger. Jean Poitou va le juger sans cesse. À chaque fois qu'il envoie un mot, en fait, peu importe, il va le juger. On va le juger. Ah, ben, ça me dérange pas de sentir la bouse. De toute façon, on va le mettre dans notre maison. Ça va sentir la marde à longueur de journée. C'est avec mon odeur corporelle. Jean Poitou ne sent pas la marde. Il sent bien. Ah, je vois le spam. The spam is there. Bref. Malcross. Hello. Je vais prendre la mission. Fair enough. Je juge pour ça. Non, c'est moi qui vais sentir. Jean Poitou. En effet. Mais Jean Poitou ne sent rien. Jean Poitou sent qu'est-ce qu'il veut. Bon, donc, nous allons faire les gadgets. Je pense que c'est dans la même... Non, c'est pas une mission que je veux faire, Stupoid. C'est... Poisson accro. On préfère le Kulu Yaku aussi. C'est dans la même map, je pense, de toute façon. Mais ça me tente pas de le capturer. Je pense que j'ai rien pris pour capturer. Fait que on n'a pas vraiment besoin de mot de passe, tout le monde est là. Let's go. On va commencer ça. Les gadgets. Et là, on n'est pas obligé de prendre notre temps. On peut juste faire des gadgets. Stop mon gros. Jean Poitou transforme l'odeur de bouse en odeur de rose. On pourrait voir ça de même. Je crois. Ou pas. Qui groupe 2 sur 3? Wolfie! Wolfie! Joins notre groupe! Notre groupe de gens heureux. Ok. Sorry. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Point d'exclamation, point d'interrogation. Tu peux pas joindre? Y'a-tu quelque chose qui fonctionne pas? Parce que moi, je peux plus rien faire. Fait que... Oui, je suis parti, je sais pas. Oh, shit. Mais de toute façon, je pense... que le monde devrait pouvoir joindre, non? Malgré que si j'envoie une flare, vu que j'ai pas mis de mot de passe... Ah, bon, ben, tu peux, Wolfie, good! Fait que, aussitôt que t'es prêt, on va partir. On va faire voir ça. C'est pas grave, Gloomy. Je l'aurais dit, c'est pas grave. Glave. Mais on va, de toute façon, on va faire la quête de Gadjo assez vite. Je niaiserai pas autant qu'avec les Vespoid. On laissera pas Malcross tout faire la job. Voyons, il a pas tout fait la job. C'est Jean Poitou qui a tout fait la job.
Donc, je me demande si on va pouvoir faire l'armure de Gajo. Je pense pas. Il me semble qu'on voyait rien à l'armure de Gajo. John nous avait aidés. Je me rappellerai toujours de John. Je vais prendre juste des munitions normales. J'ai tout le temps le réflexe de sauter et de reloader à cause de Jen ou de For You. I don't remember. Parce que normalement, nos munitions sont pas loadées. Je veux prendre l'herbe de feu. J'ai dit que je niaisais pas autant, mais je niaise quand même. C'est des noix aiguilles, herbe de feu. Bonjour, Kelby. Comment on se retrouve, Kelby? Est-ce que je vais manquer mon coup? Kelby? No! You dead. Et j'ai pas besoin. Ah ah! Pseros, please, no! J'ai rien fait! C'est le Kelby que je tue! Vous êtes même pas supposé... À moins que c'était son frère. Foie blanc. Nice! On a eu du foie blanc. Ça valait la peine. Maintenant, tu sais, je dis que je niaise pas, mais je niaise... Chut. Faut pas écouter qu'est-ce que je dis. Parce que Jean Poitou ne niaise pas. C'était utile à sa... À sa survie, on va dire. Que tu fais de la belle musique à mes oreilles. Moi, dépecer Gajo. Et après ça, on va aller voir Malcross qui est encore en train de faire la job. Et on va pouvoir faire ça. Je vais jamais réussir à tuer un Kelby proprement en brisant ses cornes. Jamais. Jamais je ne faiserai ça. Faut que j'y fasse exploser. C'est plus fort que moi. Jean Poitou prend... Jean Poitou mérite toutes les honneurs. Jean Poitou prend pas les... Jean Poitou ne sait pas parler ça, des fois. C'est parce que son intelligence est trop élevée et Jean Poitou ne peut pas parler comme votre langage. Oh God. Tu sais quand il faut que tu essaies de justifier tout et être arrogant. C'est compliqué d'être arrogant des fois. Jean Poitou n'est pas arrogant par contre. Il ne fait que dire la vérité. Jean Poitou est très modeste. Jean Poitou est juste le maître du monde. Je me réveille dans 7 heures. Ben, t'as juste à aller te coucher. T'es pas obligé de suivre le live. Au moins, tu l'as suivi jusqu'à là. Tu peux toujours aller te coucher puis aller revoir le live sur YouTube. Je sais que t'es... God, le spamming, de spamming de bip bip bip. Mais... On va aller se noyer dans l'eau. Ça. Je compte streamer jusqu'à quelle heure? J'en ai aucune idée, honnêtement. Pour être franc. Fait que... Overkill, encore, ça vaut la peine. Oh, c'est le petit bonhomme bizarre! Faut aller le kicker. Faut aller le kicker. Et en passant, on va retourner à Astera. Oh, on a fait la même affaire à Malcross. On a passé la même chose. C'est moi qui vais tirer. Si tu penses Jean Poitou ne se fait pas tirer. Jean Poitou pense trop vite pour sa langue. Ouais, c'est exactement ça. J'ai examen en 9h tout pile. Ah non, tant que t'as 8 heures de sommeil, tu sais, tu te lèves une heure avant de te rendre. Là, t'es correct. On va dire. Tu sais, vous êtes pas obligé de rester. Moi, je vous blâme pas si vous partez. Vous pouvez partir. De toute façon, on va sûrement aller sur Dissidia bientôt. Au grand désarroi de plusieurs personnes. Ou peut-être pas, qui sait, je sais qu'il y a du monde qui vont vouloir le voir. Mais on va faire Anjanath. Je pense qu'on fait. On va essayer de se faire une autre armure, faire Anjanath. On va le faire, puis après ça, on ira sur Dissidia, je pense. On jouera pas longtemps à Dissidia, par contre. Mais il faut que je joue à Dissidia. C'est un jeu de Final Fantasy, de fight, si on veut. Je vais vraiment l'expliquer, parce que je suis pas bon pour expliquer ce genre d'affaires-là, mais... C'est un jeu que j'attendais aussi, en même temps qu'il est sorti le 30. Ça fait pas mal de jeux en même temps. Good job, Wolfie! Good job, t'es le seul qui a eu une mention, si on veut. Parce que Jean Poitou n'a pas capturé son people. Ok. Fait que je suis à jour sur qu'est-ce qui se passe sur le live. Oui, le scarabouse, c'est vrai. Je l'ai pas mentionné à mes affaires, mais c'est dans ma tête. Je me souviens toujours du scarabouse. C'est le temps du scarabouse. Vous ne pouvez améliorer vos armes à la forge. Grâce aux matériaux récupérés lors de vos chasses. Pas vrai! Livrer les objets requis. Ah, on peut faire ça aussi, ça a de l'air. On devrait faire ça, en fait. J'avais-tu toutes mes munitions? Oui, j'ai toutes mes munitions, fait good. J'espère que vous êtes prêts à faire un Anjanath. Je sais pas s'il faut... Enfin, on peut-tu faire un Anjanath? J'assume que c'est ça qu'on va faire, mais faut parler au chef botaniste. Ok, je mets en attente le scarabouse.
et le reste de tout ce qu'il faut qu'on fasse, il faut lui donner un nom au Scarabouze. Oh, faut un nom aussi bon que Jean Poitou. La chose plaisante pas, bien surtout. Bon, entrons dans le vif du sujet. Nous avons un petit problème ici au conservatoire botanique et nous aurions besoin de ton aide pour le régler. Soit nous cessions de développer des outils, des outils de survie pour être exact, quelque chose que l'on voudrait fournir à tous nos chasseurs. L'Ixekitubi Kalashi. Ah! Fait que c'est pas un Anjanath qu'on va chasser, je pense. Dans la forêt, nous empêche de récupérer les matériaux dont nous avons besoin. Tu peux t'en occuper. Ok, fait qu'on va faire un Tobi Kodachi. Si je me trompe pas, c'est l'affaire qu'on voyait dans les trailers, car le genre d'écureuil. C'est le premier outil que nous avons réussi à terminer, qui est genre de foudre, je pense. Mais à condition que tu t'occupes de notre problème, merci et bonne chance. Oh, c'est la cape caméléon! Nice, je vais pouvoir me cacher dans un trou. On va regarder la vidéo. Oh, bonjour Anjanath. Patapouf, Poupi, Fumi, Quixi. Oh, the shots are fired. Tu penses refaire des streams plutôt dans la journée? Soirée, si tu veux. Soirée sur le vieux continent. Mais le problème, c'est parce que je travaille souvent. Peut-être la fin de semaine, je vais streamer plus tôt dans le fond, mais la semaine, je peux pas vraiment parce que je travaille le jour. À moins que je travaille le soir, ce qui arrive rarement de ce temps-ci, parce que c'est plus le jour qu'on manque de monde que le soir. Fait que c'est pour ça que je me retrouve tout le temps à streamer le soir, parce que je travaille le jour. Fait que c'est souvent les mêmes heures qu'on fait. À part la fin de semaine. On verra la fin de semaine prochaine si je stream. Je vais peut-être streamer samedi... genre en début de soirée pour vous autres. Un genre de Narga plus Zinogre. Haha, nice! Bon, Scarabouze, let's go! On a assez attendu pour le Scarabouze. Et là, je vous laisse parier que... qu'est-ce que je vais oublier de faire avant de partir en quête? Je vais sûrement oublier quelque chose. Mais le Scarabouze, je l'oublierai pas, c'est sûr. Ok. Vous écrivez beaucoup. Ah, c'était notre libellule divinatoire qu'on avait installée ici. Désolé, mais t'es aucunement divine comparée à notre Scarabouze. Fait que let's go! Est-ce qu'on avait des bonus, en fait? Je pense que j'ai vu qu'on avait des bonus à aller chercher. Malk va oublier de récupérer des munitions. Mais on est déjà full de munitions. On est full de munitions, mon cher. Où est le Scarabouze? Ouh, un scarabée qui façonne les morceaux de bouse en boule. Idéal comme munition pour votre fronde. Let's go. On va pouvoir même l'observer. Oh, checkez-le! Il veut nous tourner en bouse. Je peux-tu te garrocher de la marde? Je pense pas. Ça lit. Regardez ses petites pattes. Observation. T'es bien mieux que T-Bone qui veut même pas se faire manger les fesses. Jeez, maudit lâche. Le T-Bone? God damn it. T'es jamais assez plein. Ouais, on pourrait voir ça. Pourquoi tous ces jugements? Parce que c'est Jean Poitou. Jean Poitou juge, ne fait que juger de sa vie. Il respire en jugeant. Il est trop cute. Tout le monde... c'est un Scarabouze tout cute. Et il va nous suivre jusqu'à la fin des temps. Bon, il y a le commandant qui veut nous parler aussi. Ah, c'est le chef d'équipe. Vous savez... Jean Poitou a un nom, lui. Salaud a un nom, lui. Mais vous autres, vous avez juste des titres. C'est bien. Dans le fond, quand on va avoir complété le jeu, on n'aura plus de nom, ça va être un titre qu'on va avoir. Puis tout le monde en ligne va avoir le même nom, parce que ça va être tout le même titre. Parce que le monde ici fonctionne avec des titres. Je vois que tu as récupéré des outils de survie. Les différents outils de survie t'aideront de façon diverse lors des quêtes. N'oublie pas de t'en équiper. Tu les trouveras dans ta malle. Avec le reste de ton équipement. Lors des quêtes, tu peux utiliser les outils de survie de la même façon que tu utilises les objets. Pour l'instant, ton équipement est le seul qu'on ait eu le temps de terminer, mais il y en a d'autres en préparation. Bon, bref. Là, il fallait que j'aille voir l'intendant, il me semble. Et oui, il est validé pour toujours. C'est pas toi, il faut que j'aille voir, c'est l'intendant. Mais attends une minute, il faut que j'aille voir quand même les munitions qu'on pourrait te... Ah, ok, c'est de la mort. Pas grand chose qu'on peut faire. J'ai hâte que tu vendes plus de choses, mon cher bitch. Bon, on peut livrer quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut te livrer, bitch? Livraison. Lorsque vous complétez les livraisons requises pour l'intendance, vous pouvez obtenir de nouveaux réindicants pour la... Ouh! J'utilise pas assez la cantine. Fait qu'une méga potion. Ah, c'est rare, on n'avait pas fait ça. On est bien stupide.
Une peau de mossoine, c'est vrai, on avait complété ça aussi, puis je l'avais pas faite. J'étais tellement pas là. Pelage Angelath. Bon, on s'entend qu'on faisera pas ça tout de suite, mais j'ai tout pu faire. Tout de suite. Nice. Good. Thank you, bitch. Dommage qu'il peut pas nous accompagner, en effet. Ce serait le fun d'avoir tout le temps une petite bébite qui nous suive, en faisant de la marde. Ça serait magnifique. Bon, ben, je pense qu'on va y aller. Faudrait que je mange. Sauf qu'on va faire une nouvelle quête. Je pense qu'on peut pas la joindre tout de suite. Parce que c'est une quête avec une scène dedans. I don't know. En tout cas, si vous pouvez joindre, c'est avec 6255 le mot de passe, comme d'habitude. Et on commence au camp 1. Si vous pouvez pas, ben... Attendez la flare. Il vient de neiger. Est-ce qu'il neige pour de vrai? Mais c'est vrai que t'habites pas dans le même coin que nous autres, je pense. Fait que, ha, s'il neige chez toi... Ça se peut qu'il neige ici. Fuck! J'ai oublié qu'est-ce que je voulais faire. Ah! Manger! Manger! C'est une bonne chose. Malgré qu'on peut manger dans la quête. Manger dans la quête ou pendant que ça se prépare. Mais pas grand changement. Je pensais plus me perdre que ça dans cette ville-là, honnêtement. Malgré que je me perds quand même. Mais c'est pas si pire. Je suis à Gatineau. Ah, ok. Ben, c'est ça. T'es pas dans le même coin. Comment... Ouh! Comment transformer un stand en MMO pour jouer? Tu joues à Frontier. Give la neige. Pourquoi vous voulez autant la neige que ça? Croyez-moi, vous la voulez pas, cette neige-là. En tout cas, moi, je la veux pas. Là, des fois, qu'est-ce que j'aime, c'est le froid, en fait. J'aime pas ça qu'il fait chaud. Puis qu'on est là à mourir de chaud, justement. J'aime mieux avoir froid que chaud. Fait que vie plus 10, c'est endurance. Bon, ben, je vais partir en quête parce que je pense que vous pouvez pas joindre. Fait que, let's go! Bye! 7 degrés, c'est too hot. Oui! Je suis totalement d'accord. C'est ben trop chaud. Quand tu peux pas... Tu sais, quand c'est dur se lever le matin parce que t'es bien enroulé dans tes couvertes, dans le lit, c'est tellement magnifique. C'est sûr que quand tu te lèves pour travailler, c'est pas si magnifique que ça parce qu'il faut que tu te forces à te lever. Mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que tu penses du chef Potenis? Non, il a pas l'air intéressant partout, il a l'air bizarre. Moi aussi, j'aimerais bien en essayer. Blablabla. Excuse-moi, j'ai pas lu qu'est-ce que tu dis. Oui, je sais comment utiliser la Guilimento. Ils nous l'ont déjà spammé dans la démo, en fait. Est-ce qu'ils vont nous forcer à l'utiliser? Là est la question. On est retourné dans cette map-là. Nice. J'aime bien cette map. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. On va tout de suite charger notre Heavy Fusarbalète. Combinaison anglais-français. Et on va observer l'arbre. Regardez-moi ce magnifique arbre. Bon, let's go. We are ready. En fait, là, on est ready. Est-ce qu'on prend notre cap Calméléon ou on prend nos knives? On va prendre nos knives. On va les équiper tout de suite, en fait. Parce que j'oublie tout le temps qu'ils s'utilisent pas comme dans les autres Monster Hunter. Ils s'utilisent avec la fronde. Oh god, c'est bizarre comme mot ce fronde. Slinger. C'est mieux slinger, non? Oh! Des traces! Give me the trace, vieille empreinte. Envoyez mes navicioles! Guidez-moi vers la victoire! Merci! Fallait que j'aille ça. Hey, savez-vous quoi? J'étais même pas au courant qu'il y avait ce petit trajet-là. Ça m'a pris du temps à réaliser qu'il y avait un petit trajet-là, mais là... Pas des jagras, vous avez failli me tuer, non, bye! Vous êtes trop violent pour moi, je m'en vais. C'est mes ennemis, depuis qu'ils m'ont bitch slabé. C'est un Yggdrasil, en effet. Ou c'est, on pourrait dire que c'est le Tree of Mana. Il me semble qu'il était, on l'entendait parler souvent du Tree of Mana. Yggdrasil. Tellement. J'en dirai pas plus. Faut jamais que je finisse ce que je dis. Ok, bon, où c'est qu'ils m'amènent, les bitches? Ok, ils m'amènent là. Faut porter attention à ce qu'ils nous disent. What the f... Je sais pas si y a juste moi qui a eu une bulle au cerveau, mais j'ai l'impression que je me suis téléporté pendant un instant. J'ai genre monté par-dessus une branche, puis j'étais rendu dans le mur après. Et les bulles au cerveau, ça se peut très bien. C'est l'arbre Mojo. Ça peut être plein d'arbres différents nommés, en fait. Tous les gros arbres qu'on a vus. Ça peut être mon gros tronc. Enfin, bref. Washtat. Non, on l'a tous vu. Ok, fait que je suis pas le seul fou dans...
J'adore comment j'assume automatiquement tout le monde est fou à cause de ça. Mais dans le fond, tout le monde est fou. Mais pas à cause de ça. Fait que j'imagine que ça va nous mener vers la scène. Et là, j'ai moins de lumière. C'est-à-dire que le chat est en train de se fermer. C'est-à-dire que je porte pas assez attention au chat. Ce qui n'est pas si bien. Mais oui, c'est bien. Fait que scène, scène! Ouh, on va pouvoir envoyer notre fusée et notre meat. C'est le plus important, je pense bien. Craquement dans les arbres. Jean Poitou te juge, mais ne te voit pas. Jean Poitou veut te voir pour te juger encore plus. Oh, toi des plumes ou du poil qui tombe, je ne peux pas savoir. Jean Poitou n'aime pas ça. Ah, tes yeux rouges sont bof. Jean Poitou juge tes yeux rouges. Tu devrais les avoir plus flashy, flashy, flashou. Bref. Maintenant le challenge. Ne pas se faire tuer en enlevant notre fusée de détresse. Je viens de dire non comme un cave. Let's go. You son of a bitch. Ah ben ça a l'air qu'on l'a envoyé. Donc, c'est le temps d'envoyer notre meat. Et voilà, notre meat est envoyé pendant qu'on s'est fait massacrer. J'ai rien contre ça. J'ai rien contre me faire massacrer. Moi je dis que ton point faible c'est ta grosse queue. Ça a l'air de l'être pour vrai. Elle est trop évidente. Je suis en train de me... Hey, on était supposé... C'est qui a parié que j'oublierais de faire d'aller voir l'équipement, la forge? Parce que vous auriez raison, j'ai oublié d'aller à la forge. Parce que c'est ça que je voulais voir. Haha, tu pensais m'avoir, mais j'ai bloqué. Puis là, je vais te tirer tout ça dans la face. Bitch. Ça va assez fort, le Wyvern Fire. Ah 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 ah, non, arrête de me faire bitcher. Ok, faut pas que je regarde le chat encore une fois. Cap de caméléon. J'étais sûr que j'étais étourdi. Ah, je suis étourdi. Jean Poitou n'est pas mort. Jean Poitou a fait exprès parce qu'il voulait retourner au camp. Oh, il voulait étirer ses jambes. Ouh, ça fait du bien étirer ses jambes. Hey, je viens de remarquer que j'ai des écouteurs dans ma manette. Fuck that. C'est ça qui me fouette depuis tantôt. Ok. Utiliser les Wyvern Fire quand t'es tout seul, c'est un petit peu compliqué. J'ai pas besoin de loader mes fucking munitions. Troisième décès, merci de compter mes décès, mon cher. Mon cher Quixie. Je suis en train de m'en aller à la mauvaise place. Allons suivre les navis. Hey, listen! Ça devrait faire ça tout le long. Tu sais, tu t'en vas pas, t'es suis pas, ça fait hey! Hey! Viens ici! Hey! Hey! Ou ça va faire comme tantôt. Gigi mon gros, c'est ça que ça dit à chaque fois. On se fait spammer de ça. Malcross, je compte sur toi pour me carry vers la fin. On dirait que c'est ça, je meurs dans chaque quête. J'aurais dû mourir dans la quête des Vespoïdes, honnêtement. Ça aurait été nice. Sauf que j'ai pas eu le temps de m'attaquer aux Vespoïdes. Tu ferais mieux de retourner pêcher pour de vrai. Pah! Pah! Jean Poitou pêche quand il sait qu'il ne mourra pas. Là, il sait pas s'il va mourir ou pas. Tiens, in your face. Oh! J'ai frappé fort. Fait que sa face et sa queue de qu'est-ce que je comprends. Faut que j'essaie de viser ça. C'est ça, va-t'en quand on en revient, gros bitch de merde. Je vais me loader avec mes munitions assez fortes. Ah. Je vais vous avouer que ça manque un petit peu d'être au corps à corps. Mais j'ai pas assez d'expérience encore avec le heavy bow gun. Le jour où ce que je ne mourrai plus avec le heavy bow gun va être le jour où ce que je vais être satisfait. C'est-à-dire jamais. Est-ce que je l'ai pogné ou il m'a dodgé? Je pense que je l'ai pogné, je l'ai entendu. J'ai entendu des petits blou 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 blou, mais j'ai pas regardé à la bonne place, fait que... J'ai failli tirer et misser pour une troisième fois de suite. Sur le bout de sa queue, ça a frappé de deux, mais j'imagine que c'est parce que j'étais à une distance trop loin. Et savez-vous qu'est-ce que j'oublie de faire? De l'empoisonner. Fait qu'on va étirer les beaux petits couteaux. Je suis en train de le manquer, tous mes couteaux, je pense. Ok, là on l'a eu. Et il est empoisonné vu les 10 qui dépassent. Non, ils sont de l'empoisonné. Et non, je regarderai pas le chat. Ah ben, je peux regarder le chat vu qu'il se fait monter. Arrête de donner des idées aux modeurs de modeurs. C'est quoi que j'ai dit pour donner des idées aux modeurs? God, je me rappelle pas. Le 3 du temps quand je parle, là, je m'en rappelle pas par la suite qu'est-ce que j'ai dit, ok? Parce que mon cerveau, il est comme, ah, ça vaut pas la peine de se rappeler qu'est-ce qu'il dit, lui. Fait que c'est pas mal, ça. Là, le Toby Kodachi est en train de se faire massacrer. Je viens de remarquer qu'on est pas mal la même team tout le temps. Fait que, hey, c'est la team OP de Jean Poitou. Jean Poitou, les juges sans cesse.
Je vais vraiment viser sa queue. Elle est grosse. Et c'est shiny quand on la frappe. Peut-être qu'elle va nous exploser dessus en plus. À coup de 18, là, ça me fait du bien. J'ai l'impression de faire quelque chose contrairement aux autres fois. Ce qui est très bien. Bon, ben, je pense qu'on va essayer de le faire exploser. Bonus Napicial, vous aimez de la mélodie. Nice, c'est très bien. Maintenant, je vais lui faire exploser sa queue. Je suis très mal placé pour le faire en passant. C'est vrai que je suis poche. Je suis tout le temps en train de waster mes coups. Va falloir que je porte plus attention à ce que je fais pour ça. Parce que c'était vraiment poche, encore une fois. Cringe-worthy. J'ai tiré dans le tronc d'arbre. Mais c'est le tronc d'arbre. Jean Poitou ne déteste les troncs d'arbre. Bon, ben, il va falloir que je frappe sa face. Hey, listen! Oh! C'est sûr. Ah, oh, maintenant que je pense, c'est sûr que ça va faire ça. God. Mais ça serait nice quand même que Monster Hunter se fasse modder à fond. Ce serait drôle de voir les mods qui vont sortir. C'est sûr qu'il va y avoir des mods pour skinner les monstres. C'est-à-dire qu'il va y avoir des skins différents pour chaque monstre. Le genre de Joker Giginox qu'il y avait dans Monster Hunter 3 que le monde avait fait. C'était quand même nice. Ça fait longtemps de ça. On n'a pas fait exploser sa queue dans ma face. Je ne suis pas satisfait, mes chers people. Et il est dead. Je pense qu'il va falloir que je joue un petit peu plus seul parce que là j'ai vraiment l'impression que Jean Poitou se fait carrier à fond. Mais pour l'instant c'est correct. J'ai rien contre. C'est toujours le fun de jouer avec du monde. Avec vous autres en fait. GG, you missed. Devil Joe Wayfun. En tout cas, on va en avoir des choses étranges en fait. Je suis pas mal sûr. J'avais jamais pensé. C'est de me faire réaliser que la possibilité de modder Monster Hunter va être là. Puis j'espère que ça va se faire. J'ai oublié de vous envoyer ma meat! Shit! Vous méritez la meat! Voilà la meat! Vous le méritez. Oh, Jean Poitou ne se fait pas capturer, Ellie! T'es supposé savoir que Jean Poitou n'aime pas ça se faire capturer. J'avais jamais pris d'herbe de sommeil! Je vais pouvoir. Hein, Jean Poitou va pouvoir endormir ses personnes à juger. Va pouvoir les juger mieux pendant qu'ils dorment mais ne bougent pas. Une fois. Une munition explosée cette fois, tu pourras passer un arme de corps à corps. Sais-tu quoi? En fait, s'il y a une quête où c'est que je miss pas une fois, je vais pouvoir changer d'arme. C'est un deal, ça? Moi, ouais, ben, c'est pour ça que j'ai comme. Je l'ai touché tantôt, fait que c'est pour ça que je complique ça un petit peu. Bon! Ben, on a fait ça. On va aller voir. On va aller à la forge avant de changer de jeu, je pense bien. Vous pouvez désormais sélectionner plus d'ingrédients. J'aime ça, sélectionner plus d'ingrédients. Jean Poitou est un archéologique. Archéologiste, plutôt. Jean Poitou fait... C'est tellement une récompense de merde. Mais Jean Poitou est satisfait. Un pour tous. Wolfie, comme d'habitude. Démolisseur. Oh! Wolfie a volé mon... Mes parties détruites. J'avais qu'un œil sur le stream durant un instant. Ah! Mais tu as le droit de mal juger. Ou de juger trop vite. Parce que... Tout le monde qui connaît ça, Jean Poitou, a le droit de juger comme Jean Poitou. Alors, juge. Non, Quixie. Seul Jean Poitou peut juger. Mais c'est pas vrai. On dit que seul Jean Poitou peut juger. Mais c'est faux. Mais c'est pas faux. Mais c'est faux. If you understand what I mean. Bon, fait que, espérons. Ah non! Est-ce que l'armure de Toby Kadashi vaut la peine? J'ai comme l'impression. Non, je sais pas pourquoi. Merci ou merci, je pourrais t'embrasser. Tu peux te garder une petite chaîne, mon cher. T'as pas besoin de m'embrasser. En plus, il nous montre ses dents. Oh, il a ouvert sa bouche. Ah! Ok. Au fait, j'ai planté une graine. Résiste à la tentation. Résiste à la tentation. Résiste à la tentation. Eh bien, crois-le ou non, mais cette fois-ci, elle a germé. Résiste à la tentation. Résiste à la tentation. Résiste à la tentation. Ces plantes sont vraiment uniques dans le sens où elles se développent grâce à l'énergie environnante. Et peut-être à un peu d'engrais, à un peu de marde. Nice! Enfin, je t'ai parlé des détails. Voilà où je veux en venir. Est-ce qu'il y a des objets que tu utilises très fréquemment? Jean Poitou ne parle trop vite pour son cerveau. Non. Les mots passent trop vite dans la tête de Jean Poitou pour sa langue. Voilà. Exactement, Quixie. Tu as tout compris. Personne ne peut juger aussi bien que Jean Poitou. Jean Poitou est étrange. Ah, GG, mon gros, goddammit, encore le spam. Spam de chenille. Il est papa?
va être utile. L'armure de Legiana va être utile. Ok, mais pas l'armure de Toby Kodachi. De qu'est-ce que je comprends. Qui est papa? Content de te voir ici. Tu as déjà vu notre album... Notre album? On a fait un nouvel album, let's go! J'imagine des gens avec leurs instruments en plante. Il est comme avec son petit... le petit bout de gazon qu'on peut faire des genres de sifflets avec. Là. C'est ça qu'il utiliserait, lui. Une genre de flûte en gazon. Ce que je pensais n'est qu'une petite pousse est devenue un arbre géant en un clin d'œil. Nous voilà fin prêt. Ah, ok, c'est la ferme, si je comprends bien. Je pense que oui. Cet arbre millénaire va nous aider à cultiver encore plus d'objets pour toi. De quoi avais-tu besoin déjà? Avant de skipper tout ce qu'ils me disent là, je vais regarder pour de vrai parce que ça se peut que c'est pas vrai. Le temps de production reste diminué d'unité à chaque quête accomplie. À date, c'est engrais, vous pouvez. Vous devez remplir certaines conditions spécifiques pour utiliser un nouveau engrais amélioré. D'après ce que je comprends, c'est la même chose que dans les autres. C'est la ferme. On peut utiliser de l'engrais pour en récolter plus. Et ouais, ça a l'air pas mal la même chose. Amérinsec, ah, ça me manquait de voir ce mot-là. C'est un des mots français qui me manquait de voir. Parce que je jouais en anglais, généralement pour ceux qui le savent pas. Par tous les printemps, il a germé ce qui signifie une recherche sur l'arbre millénaire porte enfin leurs fruits. Je n'ai pas pu attendre. J'ai déjà organisé une quête et c'est une situation épineuse. On va se battre contre un spinas. Eh bien non, évidemment, parce qu'il n'y a pas jamais les monstres de Frontier ici. À part la Versioth, mais ça fait tellement longtemps de ça. Pourrais-tu t'y inscrire? Nous essayons de mettre au point une méthode pour accroître le nombre de sortes de fruits et de baies que l'arbre produit. Mais il nous faut... Ok, fait que dans le fond, tu veux qu'on fasse ça pour qu'on débloque des choses. Ok, compris, ça a l'air de la merde. Cède à la tentation. Jamais. Jamais. Toby et Legiana, par la suite, seraient parfaits pour le passage au High Rank. Ok, mais tu vois vraiment loin, ce petit chat. Moi, je veux juste me faire des armures pour le fun. Fait que montons. Il faut pas que j'oublie de prendre des munitions. Parler au chef d'équipe, non. Il pourrait en avoir plein de chefs d'équipe, en fait. Fait que je sais pas c'est lequel qu'il faut que je parle. Ok, il y en a juste un parce que c'est, ça a l'air, c'est son nom. Ingénieur aéronautique, il nous faut ces matériaux pour le dirigeable. Tu l'auras pas ton fucking dirigeable. Bon, qu'est-ce que tu me veux, toi? On va aller voir. En fait, non, on veut pas améliorer, on veut forger. Oh, qu'est-ce qu'on peut forger? Vespoid, oh, il nous manque une pièce qu'on peut pas se faire. Oh my god, c'est bien dégueulasse, mais c'est magnifique en même temps. Oh, on peut se faire l'alliage par contre. Ah, c'est trop basic, mais j'ai le goût de la faire parce que juste pour changer, je pense qu'elle est poche. Qu'est-ce qu'on aurait par vent? Étanchéité. Qu'est-ce que ça fait, étanchéité? Défense haut. Ouais, en effet, c'est pas très bien. Bastion. Défense plus 5. I guess. Durée poison, moins 30%. Bof. Réduit l'affûtage d'un cycle. Ça me sert à rien vu que je suis gunner. Fait qu'elle me servirait pas à grand-chose, cette armure-là. De qu'est-ce que je vends? Jean Poitou est un fashion hunter. Jean Poitou doit avoir fière allure, voyons. J'ai comme le goût de me faire l'armure de Vespoy parce qu'elle est tellement dégueulasse, mais c'est parfait. Le bonus. J'imagine que quand t'as le 7, il y a des bonus, d'après ce que je comprends. Je pense que j'ai tout lu. Qu'est-ce que je vais aller? Ah, ok, parfait, bon. Merci à la personne qui m'a montré enfin comment faire. Ah! Ah! Classique! Et en plus, ça laisse la face à Jean Poitou. J'avoue que juste pour le look, Jean Poitou serait satisfait de cette armure. Celle-là, on voit pas les yeux de Jean Poitou. Jean Poitou ne peut pas bien juger avec cette armure. Et ça, c'est l'armure de Oh My Jesus. De Baroth, comme d'habitude, c'est la même chose. Jean Poitou ne peut pas juger. Oh! Jean Poitou peut très bien juger avec cette armure. Ouhou! Faudrait quasiment que je me fasse l'armure de Puké-Puké! Ça serait bien. Qu'est-ce qu'elle offre, cette armure de Puké-Puké? Restaure 20 points de vie. Attends. Restaure le... Oh! Les sporanlis qu'on utilisait sans aucune raison avant auraient une utilisation! Augmente la durée des effets pour certains objets. Nyeh! Ça peut être bon parce que des fois on utilise une munition de tout ça, mais je penserais pas que ça soit si good que ça. Botaniste, herbe plus 1. Augmente la quantité d'herbe et d'objets utilisés à courir. Ça n'a pas grand chose au niveau 1, honnêtement. Insecte plus 1. Oh, il nous faut botaniste niveau 3. On va pouvoir avoir plus de scarabouses dans notre cul.
plus 1 pour Puki Puki. Good! Je pense qu'on se faisait ça. Est-ce qu'on la met dans notre... Fuck. On la met dans notre fuck. Mais on la met dans notre liste de souhaits. Juste parce que... Juste parce que... Les talents sont de la merde. On... Il faut des queues de Puki Puki. Il faut des plumes de Puki Puki. Cela, techniquement, on peut s'en faire déjà. Fait qu'on n'a pas besoin de se mettre dans notre liste de souhaits. Fait que je pense qu'on a juste à chasser des Puki Puki pour la faire. Fait que c'est pas si pire que ça. Et notre arme, je pense qu'elle est assez good pour l'instant. Ça me... Je pense qu'on peut pas le grader avant d'aller dans une prochaine zone. Fait que... Hein? Je peux enlever mon casque en tout temps, mais je veux que l'armure... Je veux pas enlever le casque en tout temps. Je veux avoir un casque qui permet de juger. C'est comme important dans ma vie de tous les jours de pouvoir juger avec Jean Poitou. Ça a comme pas été ça pantoute mon objectif du début de juger, mais c'est pas grave. Maintenant, ça l'est. Bon, fait que malheureusement, pour certaines personnes, je sais qu'il est rendu tard, il arrive 1h du matin pour certains d'entre vous. T-Bone! Traître! Traître de Tribone! De Tribone, oui. Tu veux pas te faire pogner les fesses? Ben, je m'en vais. Je veux pas rien savoir de toi, T-Bone. Bon, ben, bon revisage, mon cher Cruz! Et, fait que si vous, Dissidia vous intéresse pas pantoute, je dirais que c'est le moment de quitter. Oh, enfin, il est venu parler, lui. Alors, tu pars affronter cette grosse brute dans la forêt ancienne, tu ferais bien de t'équiper ici. J'ai de nouveaux articles en stock, tu veux jeter un coup d'œil? De quoi t'as besoin? Fait que la prochaine fois, on va faire piqué-piqué pour nous faire notre armure. Je veux voir si t'as des... Oh, des Pierce niveau 2. I like that. 480, ils sont pas si chers que ça, les munitions, quand même. Je suis stupide. Je peux même pas utiliser les Pierce niveau 2. Je viens de remarquer. Bonne chance, bonne chance. La tristesse. En effet, pour les autres. Fait qu'on va juste le mettre dans mon coffre. Ça va finir là. Je vais en avoir un peu plus tard. La logique. Fait que let's go. Toi, je te veux pas. Puis vous autres, je vous veux pas non plus. Jean Poitou n'a pas besoin de vous. Si vous ne le rentrez pas dans son corps. Ou vous n'êtes pas des munitions. Ça a l'air qu'il me faut ça. Et j'oublie tout le temps de m'acheter des normales level 2. J'étais là il y a quelques secondes, je l'ai pas fait. God damn it. Et bonne fin de live à tous. Ben merci Cruz d'être passé. Bonne soirée, bonne chance. Et tout le kit qu'il va avec. Je t'envoie ma meat. Parce que là je peux pas le faire, mais tantôt je vais en envoyer une à tout le monde. Mais pour toi aussi. Je veux pas l'envoyer vers le coffre. En fait, faudrait, mais je, comme je l'ai dit, je suis pauvre. C'est pas le temps d'acheter des millions de... En fait... On va en acheter un petit peu, juste pour que j'arrête de faire la cave. Ben, en fait, j'arrêterai jamais de faire la cave. Mais, un petit peu, c'est moins pire. Mettons qu'on en achète 221. Il fallait qu'il y ait un 69, excusez-moi. 269, ça revient à 807. Fait que good enough, good enough, good enough, good enough. Et c'est avec tout. C'est avec tout pour Monster Hunter World. Mais je vais quitter le live et je vais revenir avec Dissidia. Fait que si vous êtes intéressé, ben vous pouvez revenir. Sinon, ben je me parlerai tout seul. C'est tout simplement ça. Sinon, si vous voulez parler aussi, tant mieux. Fait que vous avez juste à rester sur le chat. Si vous voulez rester, et pas. Sinon, bonne soirée, bonne nuit à toutes les autres personnes. Merci d'être passé. Et je peux comprendre que ça vous intéresse pas de voir autre chose. Donc... On a fait un live de 1h47 quand même. Pas si pire, ça a de l'allure. On va laisser les messages arriver là. Oh, yeah, tout le monde m'envoie des stickers. J'apprécie. Garochez-moi ça, les stickers. Garochez-moi votre meat aussi, voyons. C'est ça qu'il faut. C'est bien correct, Quixie. Fait que, bonne nuit à tout le monde. Et, bye-bye. J'ai tout le temps ça de même, mais il y a tout le temps un petit délai parce qu'il faut que je stoppe le broadcast. Faut que je stoppe. En fait, je peux-tu juste rester en live? En fait, non, ça va être facile pour que éditer mes vidéos. Faut que je quitte le live puis je vais revenir. Et je vais accepter du monde aussi dans ma liste d'amis pendant ce temps. Fait que, encore merci et bye-bye! Bonne nuit à tout le monde qui dorme et tout le tralala. C'est le temps que je mute un petit peu.